ouvrir la séance. Donc je vais vous demander de bien vouloir procéder à l'appel et à la lecture des pouvoirs. Monsieur Mia, Monsieur Cœur, Monsieur Prono, Monsieur Valiès, Madame Bollinet, Monsieur Chalaï donne pouvoir à Monsieur Valiès, Monsieur Triquet, Madame Canette donne pouvoir à Monsieur Chapuis en début de séance, Monsieur Lacroix, Madame Borgne, Monsieur Chapuis, Madame Coulon, Madame Muller, Monsieur Dumas donne pouvoir à Madame Pia, Madame Pia, Monsieur Leroux, Madame Barcheno, Monsieur Devery, Madame Meurg, Madame Kaito Crucy, Monsieur Beaumont, Monsieur Schlesinger, Madame Boubeau, Monsieur Gasnier, Madame Adèle, Monsieur Leclerc, présent. Madame Le Rouge, Monsieur Soulas, Monsieur Brouard, Madame Briand donne pouvoir à Madame De Philippi, Monsieur Thébibel, Madame Picard. Présente. Monsieur Renaud donne pouvoir à Monsieur Chancerel, Monsieur Montillo. Madame Marchand. Présente. Monsieur Imbeau. Présente. Madame De Philippi. Présente. Monsieur Roy. Présente. Madame Ossery. Elle donne pouvoir en début de séance, oui. À Madame Carré. Monsieur Desfossés. Présente. Madame Baruel. Monsieur Longlas donne pouvoir à Monsieur Desfossés, Madame Carré. Présent. Monsieur Martin. Madame Minivard. Présent. Monsieur Lemignan donne pouvoir à Madame Baruel, Madame Rastoul. Présent. Madame Amoa donne pouvoir à Madame Rastoul, Monsieur Chancerel. Présent. Madame Corner donne pouvoir à Monsieur Montillo, pardon. Madame Frédérico donne pouvoir à Madame Marchand. Monsieur Closset. Monsieur Grand. Madame Trippé. Monsieur Chapuis, Madame Benayat, Monsieur Closier, Madame Brist donne pouvoir à Monsieur Bourreau et Monsieur Gauthier donne pouvoir à Madame Royer. Madame Royer, Monsieur Bourreau, Monsieur Touchard donne pouvoir à Monsieur Michaud en cours de séance, mais sinon présent, oui, pardon. Madame Mathieu, Monsieur Michaud, Madame Lubé donne pouvoir à Monsieur Richard, Monsieur Richard, Monsieur Chouin, Madame Slimani, Monsieur Fradin, Madame Jallet, Monsieur Lavial, Madame Girard, Monsieur Renelier, Monsieur Chaillou, Madame Desnoux donne pouvoir à Monsieur Chaillot, Monsieur Laval, Madame Bureau, Monsieur Villary, Madame Grivoté, Monsieur Grison, Monsieur Gréal est absent, Monsieur Cousin est absent, Madame Lacollet, Madame Autain, Monsieur Fromentin, Madame Dubois. Monsieur Gallois donne pouvoir à Madame Autain. Monsieur Vesque. Monsieur Baude. Merci.
également des élus qui ne prendront pas part au vote de certaines délibérations étant susceptibles de se trouver en situation de risque de conflit d'intérêts. Donc il s'agit de messieurs Closset, Richard et Tébibel pour la délibération numéro 34, monsieur Tébibel pour la délibération numéro 36, mesdames Bréant, De Filippi, Autain, Slimani, ainsi que messieurs Défossé, Gallois et Villaret pour la délibération numéro 45. Si vous estimiez en cours de séance que d'autres délibérations pouvaient présenter pour vous un risque de conflit d'intérêts, je vous remercie de bien vouloir l'indiquer. Et il sera pris acte et noté au procès-verbal de la séance. Par ailleurs, nous allons initier une nouveauté ce soir, si vous le voulez bien. Donc, conformément à l'information qui avait été transmise en conférence des maires du 2 juin, je vous propose que nous puissions, pour certaines délibérations, pour certains scrutins, utiliser le vote électronique. Et pour les délibérations qui nécessitent notamment une retranscription précise des votes, qu'il s'agisse par exemple du compte administratif, de budget supplémentaire, budget primitif. Et donc, je vous propose au cours de cette séance l'utilisation du boîtier électronique que vous avez devant vous, et notamment pour le vote du compte administratif et du budget supplémentaire. Donc, s'il n'y a pas d'opposition de votre part, je vous en remercie. Au titre du premier point, d'abord, je vous propose de désigner Mme Fanny Picard comme secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Au titre du point numéro 1, l'approbation du procès-verbal de la séance de janvier dernier. Est-ce qu'il y aurait des remarques ? Est-ce qu'il y aurait des oppositions ou des abstentions ? Donc, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Au titre du point 2, comme de coutume, vous avez le compte-rendu des délibérations prises par le bureau d'avril 22 sur délégation du Conseil. Y aura-t-il des remarques ? Y aura-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, c'est adopté également. Au titre du point 3, le compte-rendu donc des décisions prises et des marchés que j'étais amené à signer sur délégation du Conseil. Même question, y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Nous en venons au point numéro 4, qui est un point dont nous avons déjà largement discuté dans plusieurs séances précédentes de notre Conseil. Il s'agit de la révision donc du pacte de gouvernance. Nous l'avions initialement adopté en début de ce mandat. Il avait été adopté pour une année, le temps de pouvoir procéder à quelques modifications, quelques révisions, ce qui a été pris en compte par la conférence des maires et par notre conseil. Nous en avons discuté, débattu, à la suite de quoi donc une précédente délibération avait sollicité les 22 communes pour rendre un avis sur ce pacte de gouvernance. Les 22 communes ont été donc saisies et ont été amenées à se prononcer, au moins pour la plupart d'entre elles. 12 ont fait part de leur approbation du pacte de gouvernance. 8 ont émis un vote défavorable et 2 ne se sont pas prononcés. Donc au total, à partir de cette saisine des communes et de ce résultat, je vous propose que nous puissions adopter définitivement notre pacte de gouvernance, sachant que les modifications qui avaient été proposées et actées par notre Conseil précédemment portaient principalement sur le renforcement des politiques et des méthodes de gouvernance en matière de proximité et sur le renforcement de la prise en compte des pouvoirs des maires et des demandes des maires
notamment au travers des réunions et conférences des maires. Voilà les quelques éléments, chacun les a, je pense, en tête. Est-ce qu'il y aurait des prises de parole sur ce pacte de gouvernance? Il n'y en a pas, donc je vous en prie. Oui. Madame Bartchenot. Monsieur le Président, chers collègues, donc lors de la présentation du projet de pacte de gouvernance au Conseil métropolitain de février, je me suis exprimée sur la féminisation des noms de fonctions politiques. Les évolutions de notre société, de notre culture, de notre langue sont intimement liées. Les changements de l'une influencent les autres. Chacun comprend aisément que l'apparition récente de la féminisation des noms de fonctions est directement liée à la place grandissante et légitime qu'occupent les femmes dans les différentes assemblées représentatives. Je le répète, les évolutions de notre langue et de notre société sont liées. Alors, Monsieur le Président, j'aurais souhaité qu'ici, à l'échelle de notre métropole, nous soyons acteurs de cette nécessaire avancée pour toutes les femmes, qu'à notre échelle, nous fassions bouger les lignes, que nous luttions contre ce plafond de verre auquel nous faisons face. Dans les documents officiels, ceux qui fixent les règles pour toutes et tous, ceux qui définissent le cadre dans lequel chacun doit évoluer, qui définissent l'horizon de chacun d'entre nous, dans ces documents, j'aurais souhaité que les fonctions soient au masculin et au féminin. C'était pour moi lourd de sens. Ma demande n'avait rien d'irréalisable, rien de compliqué à mettre en œuvre. Dans le pacte de gouvernance, un document qui se doit d'être consensuel, qui doit rassembler le plus largement possible, vous avez fait le choix de ne pas écouter ce que mes collègues femmes et hommes et moi proposions. C'est à mon sens une occasion ratée. Monsieur le Président, nous avions là la possibilité d'envoyer un message fort aux femmes et à notre jeunesse. Nous ne l'avons pas fait, j'en suis déçue. Merci de votre attention. Merci Madame Bartchenot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Oui, Laurent Beaute. Oui, moi c'est juste pour illustrer les propos de Valérie Bartchenot. Il se fait qu'à ce mois, on a inauguré un écoquartier, un nouveau quartier, où on a donné des noms de rues, pour les rues, des noms de femmes engagées, voilà, dont Joséphine Becker, pour laquelle il y a eu un grand événement, mais aussi Simone Veil, mais aussi Rosa Parks, mais aussi Lucie Aubrac, mais aussi Olympe de Gouges. Alors, Monsieur le Président, puisque dans le débat, vous êtes souvent revenu sur l'histoire de la langue française, je vous renvoie à ce superbe texte d'Olympe de Gouges de 1791, la déclaration de la femme et de la citoyenne. Que je connais et qui est très belle et qui n'est pas en écriture inclusive, cher Laurent Beaute. Mais considéré comme étant le premier texte précurseur de l'écriture inclusive. Ça, c'est une approche historique qui va mériter débat parce qu'elle est assez osée. Mes chers collègues, est-ce qu'il y a d'autres prises de... Madame Tripet, bah bien sûr, bah enfin. Franchement, monsieur le maire, vous n'allez pas m'oublier. Donc voilà, pour appuyer le propos de Valérie, je crois qu'on s'était également exprimé, en tout cas au niveau de notre groupe, même en conseil municipal, sur sans doute un malentendu, puisqu'il ne s'agit pas ici de demande d'écriture inclusive, mais simplement de féminisation des fonctions. Et je pense qu'il faut le redire et bien dire que c'est ça que nous demandons. Je pense qu'il est toujours possible de changer à un moment donné. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir revoir cette position sur la féminisation des fonctions, et pas l'écriture inclusive, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons voter ce pacte de gouvernance. Merci. D'autres... Madame de Philippi. Non, moi, c'est très, très rapide. C'est simplement pour vous dire que tout à l'heure, vous avez parlé au nom de toutes les femmes. Moi, je ne m'associe pas à ça. Moi, ça, honnêtement, ça m'est égal. C'est le français, c'est la règle de grammaire. Je ne me sens absolument pas ni visée, ni perturbée dans mes fonctions, ni dans ma qualité de femme. Je pense que ce n'est pas l'essentiel et que l'essentiel se trouve ailleurs, se trouve dans l'engagement, se trouve ici, nous sommes, c'est très féminin et c'est très bien comme ça, mais en tout cas, n'associez pas toutes les femmes dans vos propos. Merci.
bien, après cet échange intéressant, qui n'est pas nouveau, puisque nous avons eu exactement ce débat lors d'un précédent conseil, vous vous en souvenez, et je me permets de rappeler que la majorité du conseil avait rejeté cette demande d'écriture. Je maintiens qu'elle est inclusive, et j'en avais donné un exemple. Alors pardonnez-moi, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'avais donné lors du débat précédent la page précise, et j'avais cité le paragraphe qui était écrit en écriture inclusive. C'était une réalité dans ce que vous proposiez. Donc, moi je ne souscris pas, si vous m'y autorisez, à ce que vous dites, sur simplement une féminisation. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de proposer, encore une fois, l'utilisation de l'écriture inclusive. Et je pense, ça c'est mon point de vue personnel, mais il est partagé par beaucoup d'entre vous, qu'il n'y a pas matière à transformer la langue française, qui est magnifique, avec cette écriture inclusive qui est juste illisible, qui est concrètement illisible. Je voudrais dire à Laurent Baud, je suis sensible à ce qu'il dit, mais je crois que nous faisons tous dans nos communes des dénominations d'espace public, de voix. Pour ce qui concerne Orléans, nous sommes très heureux, effectivement, de rendre régulièrement hommage à des femmes, notamment par ce type de dénomination. Et pour moi, ce sont deux sujets qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et puis je remercie Madame de Filippi de son propos, parce que je comprends bien la manière de faire qui tente à accréditer finalement que tout le monde est d'accord, et puis qu'il y a juste quelques ringards qui s'opposent. Non, il y a juste, si vous me le permettez, une ultra-minorité qui le souhaite et qui veut l'imposer à toute une majorité qui n'en a cure et qui ne se reconnaît pas dans ce combat-là. Et je pense que nous avons, les uns et les unes, le droit de ne pas nous retrouver dans ce combat-là. Et je pense effectivement que par les temps qui courent, nous avons beaucoup d'autres sujets beaucoup plus préoccupants, beaucoup plus graves. Et dans le combat des femmes, je pense qu'il y a des sujets qui sont autrement plus préoccupants et autrement plus graves. Enfin, c'est mon point de vue purement personnel. Voilà, mes chers collègues, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de vous prononcer. Comme ça, je l'espère, nous pourrons adopter définitivement ce pacte de gouvernance au fond, qui est, je le pense, après tous les travaux qui ont été menés maintenant depuis deux ans, depuis le début de ce mandat, qui est, je pense, une avancée pour le fonctionnement de notre métropole. Donc, je vais vous consulter. Y a-t-il des oppositions ? Alors, on n'a pas procédé au vote électronique, donc il faut compter. Y a-t-il des abstentions ? Une abstention ? Donc il y a 29 oppositions, une abstention, et par conséquent, vous nous donnerez... Je vais quand même faire voter les pour, parce que comme il y a quelques-uns de nos collègues qui ne sont pas là et qui, a priori, n'ont pas donné pouvoir... Non, vous les avez par déduction ou vous... On va refaire le compte, je préfère, si vous le voulez bien. C'est une délibération importante, hein. Elles le sont toutes, mais celle-là, quand même, elle est significative. Donc, elle est pour l'approbation de ce pacte.
48. Bon. Ok, de toute façon. Bon, donc il est à un prêt. 48. Il est adopté. On vérifiera en reprenant le compte. Je vous remercie donc et de pouvoir le mettre pleinement en œuvre. Et nous en venons au point. Excusez-moi, mais. Nous en venons au point numéro 5, donc concernant le contrat régional de solidarité territoriale pour les années 2022-2028, assigné avec donc la région Centre-Val-de-Loire et également par ailleurs la commune d'Orléans. Et donc ce qu'il vous est proposé, c'est une maquette financière. Nous en avons... excusez-moi, mais... J'ai quelques difficultés à pouvoir énoncer les choses. Donc, il vous est proposé d'approuver cette maquette financière qui a été négociée, discutée avec nos collègues et partenaires de la région Centre-Val-de-Loire, de manière que nous puissions signer cette convention pluriannuelle pour les années à venir. Nous en avons discuté au sein de la conférence des maires, réunion des maires, conférence des maires, avec plusieurs éléments qui sont importants que je vais simplement synthétiser rapidement. D'abord, évidemment, bien sûr, le montant global de la subvention qui est proposée par la région Centre, Val-de-Loire, donc qui se monte à un peu plus de 40 millions d'euros, qui est la reproduction du précédent contrat, à ceci près que nous avons fait. Nous avons sollicité la région pour qu'elle prenne en compte une différence d'attribution entre les deux métropoles de notre région, Orléans et Tours, ce qu'elle n'a pas fait stricto sensu par un réajustement à la hausse du contrat régional, mais qu'elle a accepté néanmoins de prendre en compte financièrement en finançant davantage tel ou tel autre projet hors montant du contrat régional, ce qui nous satisfait, si vous me le permettez, parce que nous avons donc pu avoir une augmentation de l'ordre du million d'euros du contrat. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, et vous le savez, il en est toujours comme ça, c'est la répartition des montants à la fois sur un certain nombre de catégories de projets répondant aux critères de la région, parce que bien évidemment que dès lors que la région subventionne des projets, elle demande un certain nombre de choses, et ça paraît tout à fait logique qu'il soit conforme à ses propres politiques. Donc nous nous inscrivons dans les thématiques demandées par la région, et nous faisons en sorte, à l'intérieur de cela, que chacune de nos communes, dans la répartition métropole-commune, puisse s'y retrouver. Donc il y a régulièrement des ajustements qui sont faits pour permettre de prendre en compte les demandes des communes dans un équilibre qui, je pense, a été satisfaisant. En tout cas, il m'est apparu ainsi dans la conférence des maires, permettre en sorte donc d'avoir cet équilibre commune-métropole et de répondre en même temps aux thématiques sollicitées par la région Centre. Je pense, j'ai le sentiment que l'on arrive maintenant, après des négociations assez longues, et ce qui est normal parce que les sujets sont complexes, j'ai le sentiment qu'on arrive à une situation satisfaisante qui nous permettrait, si vous en étiez d'accord, de pouvoir engager le processus de signature de cette convention. Voilà en quelques mots résumé, avec encore une fois l'essentiel, c'est un montant qui est loin d'être négligeable, puisqu'il s'agit tout de même de signer plus de 40 millions d'euros. Est-ce qu'il y aurait Madame Slimani? Oui, merci, Président. Ce soir, effectivement, nous allons approuver la proposition donc d'une maquette financière avec des montants fléchés par axe, des montants globaux. Il me semble nécessaire qu'ils soient effectivement portés à la connaissance des élus du Conseil métropolitain, ce qu'il y a précisément dans chacun de ces axes d'ici le prochain passage en Conseil métropolitain, tant sur les projets métropolitains que sur les projets communaux. Monsieur Michaud, que je remercie, qui a été la cheville ouvrière de cette négociation, Vincent.
Alors, moi, je remercie surtout les services parce que c'est eux qui font le gros du travail. Ce n'est pas facile. Effectivement, pour compléter ce que tu as dit, effectivement, on a abondé aussi un fonds métropolitain de 2 millions d'euros. Et effectivement, pour répondre à ta question, Vanessa, oui, c'est bien sûr prévu avant la signature définitive et avant qu'on repassera en conseil de métropole, en fait, la signature. On donnera effectivement les ensembles des éléments, des axes par rapport au CRST. Oui, oui, à l'ensemble des conseillers métropolitains. C'est important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Jean-Vincent Valiès. Oui, merci, Monsieur le Président. Un peu dans le même esprit, puisque vous nous avez informé, c'est une bonne chose, qu'il y a eu, on va dire, un million de fonds d'équilibrage hein, par rapport à ce que vous évoquiez. Est-ce qu'on peut avoir une idée, si les choses sont décidées, sur quel projet, au pluriel ou au singulier, ces fonds supplémentaires pourraient être dirigés dans notre budget? Tout à fait, Jean-Vincent, on peut te donner ça. Donc précisément 1,36 million d'euros sur la résidence des apprentis et 1,5 million d'euros sur Comet. Alors, bon, on aura l'occasion de revenir sur les précisions à l'intérieur de l'ensemble du tableau. Est-ce qu'il y a Madame Autain? Oui, moi je rejoins ce qu'a demandé Vanessa, parce qu'effectivement, même s'il nous a été présenté ces dernières semaines des tableaux avec qui indiquaient des sommes qui étaient des aux communes, aujourd'hui il y a des choses qui n'étaient pas figées, qui ont bougé. Et je pense essentiellement, enfin pour ma commune, on a modifié nos projets encore récemment. Et j'aimerais quand même bien savoir s'ils ont été, enfin, à un moment donné, s'ils ont été pris en compte ou pas. Il y a eu des contacts entre mon DGS et les services, donc on a acté. Mais aujourd'hui, on vote un peu sans avoir les fiches et sans savoir si effectivement tout est retenu. Alors, la fiche a été reçue aujourd'hui par les services de la métropole, hein, de ta commune. Je sais pas si c'est aujourd'hui. Non, mais je te donne les éléments précis, Marie-Bonne. Donc voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Donc effectivement, la région va instruire effectivement votre demande, mais il n'y a pas de raison à ce stade pour qu'on ne prenne pas en compte en fait et qu'on ne retransfère pas le projet, ce projet-là, par rapport à l'ancien projet qui était fléché. Voilà, en changer en l'axe, bien sûr. Mais même si l'affiche, elle a été reçue aujourd'hui, il y avait des contacts avant. Comment? Même si l'affiche a été reçue peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, je l'ai depuis, elle est partie avant. Mais il y a eu des contacts avant quand même pour changer d'orientation. Ben, nous, en fait, faut bien comprendre que les services, après, envoient entre eux, en fait, entre la métropole et la région, en fait, les éléments. Et c'est une fois que la région instruit, on peut vraiment dire oui, on pourra mettre cet axe-là dans le tableau. Voilà. Ça se fait dans ce sens-là aussi. Il faut l'enregistrer. Mais ça sera enregistré, c'est déjà pré-enregistré, si tu veux. D'accord. Donc c'est une confirmation aujourd'hui. Oui, bon, je te on va confirme. Peut-être pas. On va vous laisser. Je crois que je ne vais pas m'énerver aujourd'hui, je suis très très calme, donc j'étais de bonne humeur, donc c'est pas la peine de. Oh alors. Je cherche pas à t'énerver, bien au contraire. Vincent, tu as une lourde responsabilité là. Mais je peux répondre. Simplement, peut-être pour apporter une précision quand même, oui. Pour repréciser les choses, je l'ai dit au début, mais peut-être pas suffisamment clairement. Nous ne sommes pas encore sur le contenu précis du contrat. Nous sommes dans une phase qui est importante puisque on valide ou non la maquette financière, l'essentiel évidemment, et nous approuvons la capacité à négocier de la métropole. Et donc, cela nous laisse une marge de manœuvre pour effectivement achever de prendre en compte les demandes des communes et de pouvoir négocier les demandes des communes avec la région centre. Et ensuite, on finalisera tout cela, on reviendra devant la conférence des maires et on reviendra devant le conseil de métropole lorsque la négociation sera achevée. Voilà, donc on est dans une étape qui est importante, mais on n'est pas encore dans la finalisation du contrat.
C'est pour ça que, avec Vincent, on est, enfin, on n'identifie pas de problèmes, a fortiori insurmontables, parce que les choses se déroulent très correctement. Il y a eu d'un côté tout le travail avec la région et de l'autre côté le travail avec les communes et qui va se poursuivre et qui va s'affiner. Après, il reviendra aussi à nous de faire attention à ce que nous puissions véritablement engager les projets pour lesquels on va solliciter des financements, parce qu'il ne faudrait pas, et ça se l'est parfois produit par le passé, eh bien que nous constations que nous ne consommons pas les crédits et que nous laissons des crédits non consommés. Ça, c'est tout de même un peu bête, surtout par les temps qui courent. Donc, encore une fois, les masses financières sont non négligeables. Donc, là où moi, je me permets de solliciter les uns et les autres, c'est que nous ayons des projets dont nous soyons le plus sûr possible de les mener à terme dans les délais impartis. Tu veux ajouter, Vincent ? Juste un point sur le précédent CRST, on a consommé 99,3%. Voilà, donc... c'est quand même à noter parce que je rappellerai que quand on a débuté le mandat, il y avait 4 millions d'euros qui devaient être redistribués donc, également. Mais on a eu une petite gymnastique effectivement sur ces 4 millions d'euros, ouais, si ma mémoire est exacte. Tout à fait. Christophe Chédy. Non, je pense que les précisions sont importantes. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'approuver le contrat, y compris parce qu'un contrat, ça suppose un accord entre deux parties. Et donc ça suppose aussi que la région, à un moment donné, puisse donner son point de vue et que, y compris par rapport aux demandes supplémentaires, enfin, je ne suis pas certain que sur certains sujets, à ce stade, les échanges aient complètement abouti. En tout cas, je pense que ça amène une certaine prudence, me semble-t-il. En tout cas, ce qui est tout à fait logique, c'est effectivement de pouvoir démarrer l'ensemble de ces échanges, de pouvoir affiner les choses et après de pouvoir valider tranquillement les choses. Je pense qu'il faut aussi saluer la grande flexibilité des uns et des autres pour pouvoir adapter. Aucun contrat n'a été réalisé dans la version initiale, parce que la réalité, c'est que les projets peuvent évoluer. Certains sont abandonnés, d'autres ne se font plus. Et donc, moi, je crois qu'on peut quand même saluer la flexibilité, notamment de nos services respectifs et de la position de la région et de la métropole, pour à chaque fois essayer de trouver les solutions pour consommer un maximum de crédits. Et effectivement, la réalité, c'est qu'il y a un engagement financier important, c'est plus de 40 millions d'euros apportés et que... En bonne intelligence, les uns et les autres ont fait en sorte qu'à chaque fois, on puisse trouver des solutions pour que la quasi-totalité des crédits soit consommée. Donc, je ne doute pas qu'il en sera de même dans la prochaine édition, mais ça suppose qu'il y ait effectivement une pleine prise en compte des attentes des uns et des autres et que nous, on doit aussi, y compris sur le volet métropolitain, parce que j'insiste sur le fait qu'il y a le volet des communes, mais il y a aussi le volet métropolitain, et ça suppose que nous, on soit aussi pleinement, me semble-t-il, associés au choix des priorités métropolitaines. On est parfaitement sur la même longueur d'onde. Bien, mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je vais vous consulter. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, ce mandat est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Au titre du point numéro 6, nous en venons aux finances. Le compte de gestion 2021 établi par le trésorier de la métropole Orléans-Val-de-Loire, M. Martin. Bien, Monsieur le Président, pardon. Avant de présenter le compte administratif, vous savez qu'on constate l'accord des comptes établis à la fois par le trésorier et par la collectivité. Donc c'est le cas, c'est une décision, une délibération formelle, avant de passer au compte proprement dit. Donc je vous sollicite, y a-t-il des oppositions, abstentions, adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. Nous en venons effectivement à un point également très important de notre conseil, le compte administratif 2021 de la métropole. Monsieur Martin. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter le compte administratif de l'année 2021. C'est donc la situation des dépenses et recettes réelles. Les dépenses se sont élevées à 538 millions d'euros, dont 401 millions sont consacrés à des projets.
171 millions pour l'investissement et 229 millions pour le fonctionnement. Parmi les réalisations de 2021, on peut citer, mais vous les avez déjà bien en tête, le projet Comet pour 49 millions, les voiries communales et métropolitaines pour 40 millions, vous n'avez pas le document, ça va venir, j'espère, mais vous avez le rapport complet. Hein, donc. 14,5 millions pour l'assainissement. Voilà, c'est peut-être plus simple de là-bas. 10 millions pour les acquisitions des bus électriques et hybrides, 7 millions pour la gestion de l'eau potable et 4,3 millions pour les premières opérations de rénovation urbaine dites en rue. J'enchaîne, je pense. Hein, j'enchaîne. Voilà, je suis autorisé, donc j'y vais. Donc tout budget confondu, je rappelle que les dépenses réalisées, c'est 538 millions d'euros, 229 millions pour le fonctionnement, 171 millions pour l'investissement. Le reversement aux communes avec le fonds de péréquation n'a pas été modifié dans son principe, c'est 60 millions d'euros. Et nous avons une charge de la dette qui est loin d'être négligeable puisqu'elle représente 57 millions pour l'année 2021. 400 millions, je l'ai dit, sont consacrés aux projets et actions d'Orléans Métropole. Les principales actions et politiques menées sont d'abord la transition écologique dans laquelle on classe la mobilité et transport, qui est notre gros budget, le plus gros budget, pour 95 millions. La gestion des déchets, 31 millions. L'assainissement, 27 millions. Et classé également dans l'environnement, la défense et le service incendie pour 16 millions d'euros. Et enfin, l'eau, la gestion de l'eau pour 13,8 millions. Donc c'est vraiment la grande politique publique. Nous avons ensuite un chapitre sur l'attractivité. Sur l'attractivité, 61 millions pour la dynamisation commerce et événementiel, économie numérique. C'est donc, on retrouve là 61 millions le chapitre Comet. Et puis enseignement supérieur, recherche, 14 millions, établissement culturel, 8 millions. Je souhaitais attirer votre attention sur les restes à réaliser. Parce qu'en fait, ainsi que vous le savez tous, le mandat actuel a reçu des engagements de dépenses excessivement importants en investissement. Et aujourd'hui, nous avons donc dépensé, comme je l'ai indiqué, 171 millions d'investissements dans l'année 2021, mais il reste, dans les engagements pris et signés, sur le budget principal, 332 millions. C'est-à-dire, vous voyez la proportion entre ce que nous avons réalisé et ce qui reste à faire et qui est voté. Donc, on trouve dans ces votes, ces engagements, l'enseignement supérieur et la recherche, donc l'université, notamment l'université de centre-ville, 96 millions. L'habitation, le logement et le renouvellement urbain, c'est l'ANRU 2, 79 millions. Et puis après, nous avons Comet, qui vient en troisième position pour 59 millions. Des infrastructures et l'espace public qui représentent 36 millions, qui sont donc déjà votés mais non encore réalisés. Et puis de quatrième niveau, c'est Interrive. Parce qu'Interrive, ça marche, ça fonctionne très bien, ça construit, ça avance, mais la métropole a un engagement de financement de 27 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire que nous avons une barque pour l'avenir qui est assez chargée encore à ce jour. Les budgets qui restent à réaliser en assainissement, c'est 15 millions. En transport, c'est 37 millions. J'avais prévu un petit schéma, mais je vais l'alléger. Mais quand même, je souhaitais vous en dire un mot, parce que vous savez que ce sont les entreprises qui sont les premières, qui financent en premier rang la métropole avec 145 millions d'euros. Et immédiatement après, c'est l'État. Alors l'État remonte dans le classement parce que les recettes de tarification viennent en troisième place, 85 millions, et les ménages ne viennent plus qu'en cinquième position.
parce que les modifications dans la taxe d'habitation font que maintenant l'État compense la taxe d'habitation que nous ne collectons plus et qui était une recette importante. Je crains, alors je voulais vous le dire d'un mot, qu'il en soit de même pour la CVAE, car une réforme de la CVAE qui échappera, je pense, tel que les projets étaient annoncés, au vote métropolitain. La capacité d'autofinancement de l'année 2021 s'élève à 46 millions. Elle retrouve son niveau de 2019. Donc il y a un très bon retour sur... Et ça, c'est la situation générale des collectivités en France. Lorsque vous lisez les comptes rendus et les statistiques et résultats qui ont été publiés sur l'ensemble des collectivités, on s'aperçoit qu'il y a une réactivité à revenir sur les comptes 2019 dès 2021, qui est pratiquement dans tous les secteurs. Donc nous retrouvons en 2021 la capacité d'autofinancement que nous avions en 2019, c'est-à-dire 46 millions d'euros. Donc c'est un point qui est effectivement important et qu'il faut mettre au regard des engagements que j'ai rappelés tout à l'heure. L'évolution d'encours de dette. Nous avons un encours de dette qui s'élève maintenant à 630 millions. Donc c'est un encours qui a continué à augmenter. Donc c'est effectivement la ligne à surveiller, hein, on le sait. Je crois que c'est une découverte pour personne. 630 millions d'euros de dette, c'est le point culminant de dette que la métropole ait connu. Et la capacité de désendettement consolidé, c'est donc de 7,4 ans. Donc on n'est pas en limite rouge, je dirais, mais on est quand même à un niveau relativement élevé. Et il faut effectivement que nous surveillions de près notre niveau de dette et nos besoins d'investissement. En ce qui concerne le budget principal, là aussi nous retrouvons les comptes de 2019 en épargne, même un peu au-dessus. Nous retrouvons 32 millions d'épargne alors que nous en avions 29 en 2019. Donc c'est plutôt une bonne situation, avec des recettes fiscales et compensations qui ont augmenté de 2,9 millions et surtout une répartition des recettes fiscales que nous avions fait évoluer. Je rappelle que nous avions modifié les contributions de taxes foncières que nous avons augmentées en réduisant à due concurrence la taxe d'assainissement qui, elle, a présenté des marges importantes et que nous avons donc réorientées. Donc, en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, je viens de vous expliquer pourquoi elles avaient augmenté en taxes foncières et beaucoup réduit en taxes d'enlèvement des ordures ménagères, réduction de 10 millions. Ainsi que les redevances d'assainissement pour 6 millions d'euros. Vous voyez que l'équilibre s'est fait au million près, sur une base de 18 millions, nous étions parfaitement en compensation. Nous avons effectivement constaté aussi une hausse des recettes de tarification et puis des recettes de gestion courante. Donc les recettes fiscales, je passe, le tableau est là présent, mais bon, je viens de le commenter oralement, donc j'avance. Nous avons un territoire qui, sur le plan de la recette fiscale, est assez formidable. Enfin, je le dis chaque année, mais je voulais le saluer. Et c'est à préserver par le dynamisme économique que nous avons, puisque vous voyez que sur ce tableau, on a la recette, le taux que nous pratiquons pour la contribution foncière des entreprises, qui est de 24,88%, qui est pratiquement le taux le plus bas des métropoles. Alors que dans le même temps, nous avons une recette qui est très dynamique, comme on va le voir juste après, puisque la recette par habitant que produit les taxes d'entreprise, j'allais dire, ce qu'on appelle les CET, la recette par habitant est à 230 euros, donc c'est une des plus élevées. Donc les investissements en matière économique doivent être poursuivis parce qu'il y a un retour évident. Les dotations de l'État, elles sont en baisse. Elles ont encore baissé cette année de 600 000 euros. Et lorsqu'on regarde la perspective depuis 2011, qui est l'époque à laquelle l'État a commencé à vouloir réduire les contributions aux collectivités territoriales, on s'aperçoit que nous avons perdu annuellement 9 200 000 euros. On s'est à rappeler parce que je pense qu'il faut redonner
aux collectivités les moyens d'investir et de pousser l'économie. Et là, on voit que l'État n'a pas été dans cette direction sur les dernières années. Voilà, la moitié du surplus de la DGF que nous avions obtenu en 2017, je le rappelle, a été reversé aux communes, par moitié. Donc c'était un choix qui a donc bénéficié à la fois à la métropole et aussi à nos communes. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'année 2021 a permis de revenir à une situation plus normale au niveau du budget des transports, puisque en 2020, nous avions terriblement souffert sur ce budget transport, puisqu'on avait perdu presque 10 millions d'euros sur ce budget. Donc au rythme annuel, c'était assez insupportable. Il avait fallu que le budget principal contribue largement. Là, on voit que le budget principal a pu réduire sa contribution au budget transport de 4,5 millions. Donc on est reparti sur une tendance qui est relativement satisfaisante maintenant, et on le voit aussi en début d'année 2022, donc ça c'est très positif. On a eu aussi bien sûr des baisses de subventions de fonctionnement que nous avons réduites parce qu'il y avait des subventions exceptionnelles versées en 2020 qu'on n'a pas renouvelées en 2021, par exemple, bien sûr les subventions aux commerçants qui n'ont pas été renouvelées puisqu'il n'y avait plus de besoin. Quelques mots encore. Le budget transport s'élève à 94 millions d'euros. C'est notre premier budget d'action et présente une épargne nette, je dirais presque à l'équilibre, enfin très légèrement excédentaire, mais le but, c'est que le compte administratif du budget principal équilibre le budget transport. On avait effectivement une situation en 2020 qui était très difficile. En 2021, on retrouve un versement transport qui a repris 5 millions d'euros et des recettes voyageurs qui ont également repris 2 millions d'euros. Donc c'était satisfaisant à la fois sur la contribution des entreprises et sur, je dirais, la billetterie. En ce qui concerne le compte administratif assainissement, alors c'est un compte qui a bien sûr très sensiblement baissé, puisque, comme je l'ai indiqué précédemment, nous avons réduit de façon très importante la taxe d'assainissement au profit des taxes foncières, donc pour faire l'équilibre. De sorte que l'épargne nette du compte assainissement est maintenant de 8 millions, alors qu'il était avant de 13 millions. Mais on a suffisamment pour mener une politique d'assainissement de très bonne qualité. Et donc, puisqu'on a une dette d'assainissement qui est de 18 millions, donc qui est une dette peu élevée. Pour les pépinières, le budget est 2,7 millions. Le compte administratif, pardon, est 2,7 millions. Donc là, j'avance. Ce sont des budgets annexes dont je vous les présente, mais rapidement. Pour l'eau, le budget de l'eau, alors qui vient en réflexion. En fait, c'est un budget qui, en montant en valeur absolue, est relativement faible, puisque la distribution de l'eau, c'est moins de 10 millions d'euros par an. Donc, voyez-vous, par rapport à l'ensemble des autres masses, c'est, je dirais, c'est pas majeur, mais c'est sensible. Et donc, ça représente, en compte administratif 2021, 9,7 millions et une épargne de 2 millions qui permet de couvrir le niveau d'endettement qui, au 31 décembre, s'élève à 12 millions d'euros. Notre CFA, formation des apprentis, c'est 3 600 000 euros au niveau des comptes. Et j'en terminerai avec le parc floral, Monsieur le Président, c'est 1 590 000. Voilà, j'ai présenté tous les budgets annexes également. Je vous remercie, je suis désolé pour le petit, mais ça n'enlève nullement la qualité de la direction financière qui a substitué les services informatiques. Je vous remercie, Madame Barbereau, parce que c'était une bonne réaction. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Martin. Mais ce qui ne nous privera sans doute pas, Monsieur Martin, un prochain jour quand même, d'envisager quelques investissements dans la salle. Je rappelle que l'un de nos collègues était tombé parce qu'un fauteuil s'était cassé, ce qui nous avait amené à changer les fauteuils à ce moment-là. Et donc les fauteuils sont bien. Mais par contre, les équipements sont quand même vraiment en limite de fonctionnement. Donc on va être obligé d'envisager quelque chose.
Mes chers collègues, je vais vous solliciter, avant que le débat ne soit ouvert, pour, comme il est de coutume sur le compte administratif, de bien vouloir désigner M. Schlesinger afin de présider la séance, donc durant laquelle le compte administratif va être adopté. Et lorsqu'il mettra le compte au vote, nous sortirons, Christophe Chailloux et moi-même, comme il est également de coutume. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais proposer à M. Schlesinger de piloter la suite des débats, s'il le veut bien. Il n'y a pas d'opposition, donc je vous en remercie, M. Schlesinger. Merci, M. le Président. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des interventions? William Chancerel. Merci, M. le Président. C'est une remarque... Michel Martin a effectivement évoqué la perspective d'une suppression de la CVAE d'ici à 2023. On a vu qu'il y avait une baisse des dotations globales de fonctionnement. On a supprimé la taxe d'habitation il y a 2 ans. On se demande un peu jusqu'à où ira en fait ce raccornissement des dotations aux collectivités et à quel jeu en fait l'État a envie de jouer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire que nous, on doit s'appliquer une règle d'or qui est évidemment avoir un budget à l'équilibre et un compte administratif parfaitement réglé. C'est une fois de plus le cas et vraiment bravo pour cette réussite une fois de plus dans un contexte particulièrement compliqué. Et en face de ça, on a un État qui tout simplement va récupérer ses dotations globales pour payer sa propre incurie son manque de vertu financière. Donc, voilà, c'est plus une remarque, mais je trouve ça incroyable que d'année en année, on nous présente des comptes administratifs qui sont à l'équilibre dans les collectivités, on fait les efforts qu'il faut, et on voit bien, hein, dans les investissements, c'est compliqué d'aller défendre des budgets, et on en est tous conscients. Et face à ça, on a un État qui baisse les dotations. Donc j'espère vraiment de tout cœur que la CVAE ne sera pas supprimée, même si je peine à être vraiment naïf sur le sujet. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que les collectivités réunies, donc communes, intercommunalités et autres échelons, s'unissent véritablement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Michel Martin souhaite répondre. Oui. Bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde la CVAE, du côté des entreprises, on se dit que c'est une taxe qu'on ne retrouve pas dans les comptes des autres entreprises au niveau européen. Donc il y a cette réflexion, mais dans le même temps, si elle doit être supprimée, on nous dit qu'elle sera compensée. J'ai démontré tout à l'heure, et chaque année, et dans le compte des communes, c'est la même chose, que la compensation est réduite d'année en année. Voilà, c'est la variable d'ajustement de l'État. Je rappelle que, avant que la taxe d'habitation ne soit supprimée et non financée par l'État, c'était 11 milliards qui sont partis. Donc on pourrait être d'accord sur cette baisse de recettes si l'État faisait les mêmes efforts, ce qui n'est pas le cas. Donc, effectivement, je crains que la CVAE nous emmène à nouveau vers des compensations de l'État qui vont s'affaiblir. Donc, c'est pour ça que je l'ai signalé et je partage l'analyse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Christophe Chailloux. Et Laurent Baud. Ou Laurent Baud d'abord? Oui, rapidement, parce que déjà, je voulais intervenir un peu dans le même sens, mais sous un autre angle, je voulais demander à Michel Martin et collègues, ce qu'ils pensaient de la perte de l'autonomie financière des collectivités. Parce que, en fait, si ça continue comme ça, demain, la majorité de nos recettes, ce sera des compensations. Donc, indépendamment de la question de la diminution des dotations, ça pose un véritable problème, à mon avis. Deuxième point que je voulais souligner, c'est ce qui est inscrit dans le début du rapport, à savoir que la redistribution des taxes qui a été opérée est une très bonne opération. Donc, ça permet... au budget annexe et au budget, qui fait partie du budget général des déchets, d'être mieux équilibré, voilà, et de redonner du souffle au budget général. Je pense que c'est une très bonne décision. Elle a suscité pas mal de débats entre nous, même voire des contestations, mais je pense qu'au final, les chiffres démontrent que c'était une très bonne opération. Troisième point, j'avais mis une interrogation sur les dépenses de personnel, puisqu'elles étaient en diminution dans le budget que nous avons voté, le budget 2022, par rapport à 2021. J'avais des doutes sur le fait qu'on puisse diminuer les dépenses de personnel. Alors, vous m'aviez dit, vous verrez le compte administratif,
Alors effectivement, le compte administratif prouve, mais ça pose question, ça me pose question, que nos dépenses de personnel soient en diminution au niveau du compte administratif. Alors, je vais regarder d'un peu plus près et il me semble que cette diminution des charges de personnel s'explique par le non-remplacement des personnels. Alors d'une part, difficulté de recruter, donc il y a beaucoup de postes vacants, mais il y a aussi beaucoup de personnels qui ne sont pas remplacés. Et moi, je voulais un peu tirer la sonnette d'alarme par rapport aux pôles. Les pôles sont en grande difficulté par manque de personnel. Alors, ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais c'est un vrai problème, à mon avis. Et l'explication, elle est peut-être là, de la diminution des charges de personnel. Merci beaucoup. Christophe Chailloux, puis Isabelle Rass. La première chose, je pense qu'on peut tous se féliciter que ce rapport, ce compte administratif, montre une très bonne situation financière pour cette année 2021, mais je crois comme d'ailleurs beaucoup de territoires, c'est-à-dire que par rapport aux préoccupations qui avaient pu être exprimées en 2020 à l'issue de la première phase de la crise, je crois qu'il y avait une inquiétude très forte. Et en fait, ça montre qu'il y a une résilience quand même très importante dans nos territoires et que notamment les acteurs économiques et l'ensemble des acteurs ont pu très rapidement remonter et avoir des réactions qui ont permis finalement, dans l'ensemble, mais je crois qu'on le constate encore une fois dans beaucoup de collectivités, d'avoir des situations qui, par rapport aux inquiétudes qui étaient formulées, étaient plutôt rassurantes. Et comme l'a dit Laurent, la décision qui avait été prise collectivement, notamment de faire ces transferts entre les différents budgets, a atteint son objectif, c'est-à-dire de conforter la capacité d'autofinancement, notamment du budget principal, et Michel Martin l'a dit, enfin, les chiffres sont là. Et ça permet aussi de tordre le cou à certaines choses qui avaient pu être dites à l'époque, et les chiffres le montrent très clairement, ça a été dit, hein. L'augmentation de la taxe foncière, plus 17 millions et quelques, baisse de recettes de TOM, 11 millions, baisse de la redevance d'assainissement, plus de 6 millions. Donc c'est quasiment l'équilibre, encore une fois, ça a été dit, par rapport aux échanges qui avaient pu avoir lieu à l'époque. Je me souviens que nous avions indiqué qu'il y aurait effectivement quasiment compensation, on le voit bien dans les chiffres. Alors après, ça traduit des réalités différentes, bien sûr, en fonction des contribuables, mais sur l'ensemble de l'équilibre, le résultat est là. Je pense que c'est une décision que nous avons eu raison de prendre collectivement. On le voit bien aussi, au cours de cette année 2021, un certain nombre d'investissements ont été réalisés, des investissements importants, je pense notamment s'agissant des bus électriques, s'agissant de la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions. Et je pense que nous avons eu raison de confirmer un certain nombre de décisions qui avaient été engagées. Et on le voit à travers ce compte administratif, les choses sont là. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense qu'on ne peut être que préoccupé par un certain nombre d'évolutions récentes. Enfin, je crois qu'on le voit tous dans nos communes. Les prix de l'énergie qui ont des impacts quand même pour un certain nombre de nos communes très très forts. Tout ce qui relève aussi d'un certain nombre de fournitures, de l'alimentation. Moi, on le voit au niveau de notre syndicat commun en restauration collective. Enfin, il y a des choses qui, moi, me paraissent scandaleuses. Quand on annonce 50% d'augmentation sur certains produits, je pense qu'il y a quelque part des phénomènes d'aubaine. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont absolument scandaleuses. Et on va se retrouver avec des situations, des augmentations très rapides qui vont être difficiles d'assumer. Et puis, toutes les décisions qui vont, a priori, rapidement être prises, s'agissant notamment de l'impact sur les masses salariales, en fait, toute la discussion autour du point d'indice, etc., avec des effets dans nos communes où on sait, notamment, les masses salariales sont importantes pour un certain nombre d'entre nous, et vraiment un effet qui se cumule. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est finalement, en quelques mois, un renversement de tendance assez fort. C'est-à-dire qu'on était quand même globalement sur un début d'année 2022 qui était quand même plutôt serein. Et en quelques semaines, avec l'impact de la guerre en Ukraine, avec l'impact d'un certain nombre de décisions, une situation qui se tend fortement. Enfin, moi, j'avoue que je suis assez préoccupé pour l'évolution de nos finances locales, avec aussi des demandes, y compris de compensations qui vont nous être sollicitées par un certain nombre d'acteurs. Moi, je le vois déjà monter dans les écoles, etc. On nous dit, ben, il faut compenser, il faut compenser, il faut compenser. Bon, à un moment donné, ça va être compliqué, quoi. Donc, je suis aussi assez préoccupé et inquiet, très honnêtement, sur
y compris la préparation de nos budgets 2023 dans ce contexte si perturbé. Merci beaucoup. Isabelle Rastoul. Et je souhaitais juste réintervenir sur, suite à l'intervention de Laurent Baud concernant les frais de fonctionnement, notamment liés au personnel. Il n'y a pas de non-remplacement volontaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, nous avons, comme toutes les collectivités et comme je dirais même plutôt tous les secteurs en France, des difficultés de recrutement liées à l'attractivité, mais pas que. Et il y a également eu un effet Covid l'année passée qui a fait qu'un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés, qu'il y a eu également moins d'heures supplémentaires qui ont été rémunérées, ce qui explique en fin de compte cette incidence sur la masse salariale sur le compte 2021. Je ne sais pas si Michel Martin voulait apporter des éléments complémentaires de réponse. On a un phénomène qui en plus est un phénomène de croisement, et donc un effet, ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la croissance est nulle. On lit tous que la croissance du PIB elle est à zéro, donc ça a forcément des conséquences sur nos recettes. Les recettes qu'on a à attendre des entreprises ne seront pas bonnes, parce que la croissance, eh ben voilà, elle n'est pas là. Et dans le même temps, il y a le prix de l'énergie, bien sûr, ça c'est un élément important. Il y a aussi les frais financiers, par exemple. On a aujourd'hui des taux qui augmentent beaucoup, et donc on a des taux qui vont pratiquement doubler. On était habitué à s'endetter à 0,60 au niveau de la métropole. Aujourd'hui, on sait que les taux vont aller sur 1,50 assez rapidement, etc. Donc, je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite par rapport à ça, sauf de vérifier l'ensemble de nos dépenses. Alors, c'est vrai que je rejoins, et du reste, je remercie Laurent Baud de ce qu'il a dit sur la gestion de l'équation de nos recettes. C'est très bien. C'est vrai qu'on avait beaucoup échangé dessus, mais que c'était... Il avait fallu faire un peu de pédagogie parce que c'était pas évident que cette équation à triple formule s'équilibre, et c'est très bien de l'avoir rappelé. Je crois que c'est important, même très important pour moi de l'avoir entendu ce soir. Mais c'est vrai que dans le même temps, sur les frais de personnel, il ne faut pas non plus trop fixer les choses, puisque je rappelle quand même les chiffres. Le budget des frais de personnel de la métropole, c'est 57 300 000 euros en réel. Et nous avons dépensé en 2021 500 000 euros de moins que l'année 2020. C'est-à-dire que ça ne fait même pas 1% de... vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne dis pas que c'est intéressant à signaler, parce que Laurent Baud a raison de dire que les frais de personnel ont baissé, mais après, il faut quand même relativiser un peu les choses. Hein, c'est ce que je voulais dire. On a moins de 1% de dépenses sur... Sur les transferts fiscaux que nous avons faits, c'est vrai que c'est les propriétaires non occupants qui ont été un peu impactés. Donc il faut le dire, on l'a dit du reste, hein. on n'a pas caché la vérité. Et voilà, après je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur les baisses des compensations de l'État, l'interrogation de la CVAE. Enfin, c'est pas voté, hein, la CVAE encore. Il va peut-être y avoir quelques discussions, enfin, j'en sais rien. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que Luc Millat demande également la parole. Oui, juste, je vais rester dans l'économie. Tout à l'heure, Michel, tu as fait remarquer qu'on avait un des taux de CFE le plus bas de toutes les métropoles. J'aimerais juste qu'on soit bien conscient que ce n'est pas ça qui fait venir forcément les entreprises. On a des métropoles qui ont une dynamique qui est un peu supérieure à la nôtre, malgré des taux de CFE plus élevés. Ce qui fait venir les entreprises, c'est l'attractivité. On est en train de monter en attractivité. Le dernier observatoire Arthur Lloyd le montre. On a pris quelques places. L'attractivité, c'est ce qui donne envie à une entreprise de venir chez nous. Évidemment, les impôts jouent, les subventions un petit peu, mais c'est surtout l'accueil qu'on leur fait et tout ce qu'ils ont derrière, l'économie, on va dire, de soutien qu'ils peuvent retrouver, et surtout pour les employés, comment on accueille les collaborateurs de ces entreprises-là. Et à mon avis, on a commencé à faire du travail là-dessus. Il faut qu'on continue dans ce sujet-là. C'est ce qui leur donnera envie de venir. Récemment, on m'a encore dit, j'hésite entre Tours et Orléans parce qu'à Tours, il y a des plus jolies maisons qu'à Orléans. Je vais juste démontrer que les maisons à Orléans étaient aussi jolies, elles étaient juste moins chères. Mais quelle faute de goût, on est bien d'accord.
Et j'aurais juste démontré qu'elles étaient juste moins chères et du coup la personne a changé son point de vue et est en train de regarder pour s'installer chez nous. Voilà. Entre autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas si Michel Martin veut dire un mot pour conclure, non ? Donc, peut-être juste avant de passer au vote et que le président sorte de la salle, je pense que tout le monde s'associera à remercier Michel Martin et l'ensemble des services qui ont travaillé sur l'exécution de ce budget au titre de l'année 2021, dont le compte administratif aujourd'hui est la photographie. Donc merci à vous pour votre travail. Et donc nous allons pouvoir passer au vote. Alors vous avez vu devant vous, vous avez une petite calculette. Donc normalement, vérifiez bien derrière, il y a votre nom. Et donc nous allons voter avec. On va essayer si ça fonctionne. On va essayer de voter avec. Juste pour être bien clair avec vous, le vote ne va pas être anonyme. C'est-à-dire que votre vote va s'afficher en haut. Donc c'est comme si vous votiez à main levée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si vous appuyez sur le bouton 1, ça voudra dire que vous votez pour. Si vous appuyez sur le bouton 2, ça veut dire que vous votez contre. Donc là, le code couleur est assez utile. Si vous appuyez sur le bouton 3, vous vous abstenez. Et si vous appuyez sur le bouton 4, vous ne participez pas au vote. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton OK. Donc, vous pouvez changer le numéro avant d'avoir appuyé sur le bouton OK. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton OK, vous ne pouvez plus modifier votre vote. Et comme je vous le disais, le sens de votre vote s'affichera derrière. Pour les personnes qui ont qui ont un pouvoir, ils ont deux boîtiers, ils votent donc deux fois. Donc, tout le monde a son petit boîtier en main. Donc, je ne sais pas si en bas on est prêt. Donc, je vous propose pour commencer d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal d'Orléans Métropole. Et donc, j'ouvre le vote. On arrête quand ça bouge plus. D'accord. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait le petit. Alors, il y a encore deux personnes qui n'ont pas voté. Une personne. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne sais pas si... oui, Christophe Chailloux a un pouvoir qui n'est pas compté. Donc, je pense qu'à 81, on considère que tout le monde a voté. Donc, le vote est clos. Donc, le compte administratif est approuvé. 71 voix pour, 0 contre et 10 abstentions. Je vous remercie. Donc, on va continuer ainsi pour les différents budgets. Il faut ensuite approuver le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement d'Orléans Métropole. Donc j'ouvre le vote, c'est la même procédure. Oui. Si c'est le même vote jusqu'à la fin, on peut peut-être le faire. Allez, on a 80, il en manque 1. Bon. Pas de 81e. Donc le scrutin est clos.
Le compte administratif du budget annexe assainissement est approuvé avec 80 voix pour et c'est deux non votés. Donc, est-ce que c'est le même vote jusqu'à la fin ou est-ce qu'il y a des votes différents en fonction? Il y a des votes différents? Donc on va continuer à voter ainsi alors. Donc on passe maintenant au budget annexe transport d'Orléans Métropole. Donc j'ouvre le vote. Ah, il manque encore deux personnes. Une maintenant. Bon, pas de 81e votant. Donc le scrutin est clos. Le compte administratif est du budget annexe parc technologique est approuvé. On passe maintenant au budget annexe du centre de formation des apprentis d'Orléans Métropole. Donc là, on vient de voter à l'unanimité. J'imagine que, comme d'habitude, le CA de... du CFA est approuvé à l'unanimité. Donc, même vote. Pour le compte administratif du crématorium, est-ce qu'on fait le même vote? Même vote, à l'unanimité donc. On passe ensuite au compte administratif du budget annexe pépinière d'entreprise. Est-ce que c'est le même vote? Même vote, donc c'est approuvé à l'unanimité également. Compte administratif du budget annexe parking d'Orléans Métropole, est-ce qu'il y a... d'autres demandes de vote? Même vote. Donc, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe maintenant au compte administratif du budget annexe marché de gros. J'imagine que c'est le même vote. Adopté à l'unanimité. Ensuite, budget annexe de la ZAC en régie Orléans Métropole. Ça concerne... c'est pas laquelle. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Non. Donc, même vote, approuvé à l'unanimité. Alors, budget annexe de l'eau d'Orléans Métropole. Est-ce que c'est le même vote? Même vote, donc approuvé à l'unanimité. Compte administratif du budget annexe du parc floral, est-ce que c'est le même vote? Même vote, donc ça approuvé à l'unanimité. Et puis il reste un dernier vote, constaté pour l'ensemble des budgets, les identités de valeur avec les indications de compte, de gestion relative aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement ainsi qu'au bilan d'entrée-sortie, reconnaître la sincérité des restes à réaliser dans la liste figurant en annexe de la délibération. Même vote, et c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On peut donc rappeler le président. Et c'est Michel Martin qui reprend, je crois. Tu veux que j'enchaîne ou non? On attend que le président revienne. Tu peux enchaîner, je pense. Alors j'enchaîne. La délibération numéro 8 concerne les affectations des résultats de fonctionnement de l'exercice 2021. En fait, sur l'ensemble des budgets, les excédents de fonctionnement sont affectés à l'investissement. Donc la délibération reprend, budget par budget, les excédents et les affecte de cette façon. Donc je pense que
il n'est peut-être pas utile de reprendre tous les excédents puisque je les ai lus tout à l'heure. Voilà. Bon, c'était la délibération numéro 8. Je ne sais pas s'il y a des interventions, le temps que le président retrouve... Moi, je trouve que vous avez bien avancé. Hein. Franchement, bravo. Donc, oui, sur le point numéro 8, pas d'intervention. Donc, vous n'étiez pas, vous n'aviez pas encore voté. Non. Donc, y a-t-il des oppositions ou abstentions? Donc, c'est adopté, je vous en remercie. Mais on peut poursuivre avec le point 9 et le BS 2022, monsieur Martin. Donc, il s'agit d'un budget supplémentaire important. Et donc, vous avez eu l'occasion de lire. En fait, il y a un budget en augmentation de fonctionnement donc sur des recettes réelles de plus de 5 millions d'euros à ce jour, 5 832 000, parce que nous avons des recettes fiscales, des dotations qui sont dynamiques, notamment sur les recettes des impositions directes. Cotisation foncière des entreprises plus 1,3 million par rapport au budget que nous avions, nous attendions. Les taxes sur le foncier bâti, 591 000 euros. La recette des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères aussi, plus de 500 000 euros. Donc vous voyez, ça fait des recettes tout à fait en augmentation. Revente de matériaux et valorisation des déchets aussi, qui sont en forte hausse. C'est un peu le corollaire de l'augmentation des dépenses dont parlait tout à l'heure Christophe Chailloux. C'est-à-dire dans le même temps où les dépenses d'énergie augmentent, eh bien, les recettes se valorisent mieux. En dépenses de fonctionnement, nous avons des dépenses complémentaires, notamment sur les révisions de prix. Donc voilà, nous y voilà. Métropole, on prévoit 1 million d'euros de dépenses supplémentaires pour des révisions de prix sur la gestion des déchets. 500 000 euros pour les dépenses d'électricité pour l'éclairage public. Et j'irai encore à 500 000 euros. On a été, je pense, peut-être un peu optimiste. Les dépenses de carburant, nous avons une augmentation par rapport au budget de 173 000 euros, etc. Nous avons aussi des dépenses sur les cabinets de recrutement. Ça répond à la question que Laurent Baud abordait tout à l'heure, difficulté de recrutement. Madame Rastoul aussi nous expliquait les difficultés que nous rencontrons dans les recrutements actuellement. Voilà quelques pistes. Merci, monsieur Martin. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Alors, je vais vous proposer d'en venir au vote électronique. Et je rappelle que si vous avez un pouvoir, vous avez donc un deuxième boîtier. Comment ? Ah. Bon, donc on peut ouvrir le vote. Donc vous ouvrez le vote électronique.
Laurence, tu as voté ? Alors, où est ton problème ? T'as pas de problème. C'est bon, 84. Voilà, donc on peut... Hop, parti. J'allais dire, on peut clôturer le vote. Carole Canette, oui. Pardon, c'est Marilyn Coulon qui a voté contre, mais son doigt, elle a appuyé trop vite. C'était une abstention, en fait. Mais est-ce qu'il y a possibilité de rectifier ? Bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est le problème du vote électronique, voilà. C'est pas grave. Eh ben oui. C'est pas mon vote qui va changer grand-chose. Donc, est-ce que l'on peut... rectifier le vote, ce n'est pas un vote contre, c'est une abstention. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Est-ce qu'il est possible de le rectifier sur l'écran ? Non. Alors on le note, on va le noter. Merci, et on le rectifie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc la délibération est adoptée. Je vous propose d'en venir au point numéro 12. La taxe d'aménagement sur les périmètres, Monsieur Martin. Ah pardon, oui, le point numéro 10, admission en non-valeur, Monsieur Martin. Bon, c'est pas des très gros montants, hein, mais c'est simplement pour qu'on acte le fait qu'on abandonne définitivement certaines créances. Mais c'est pas, vous voyez, ça représente 30 000 euros et sur des créances éteintes, 17 000 euros. Voilà. Merci. Y a-t-il des oppositions ou abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie. On va peut-être voter aussi le point numéro 11, Monsieur Martin, qui peut intéresser un certain nombre d'entre nous, puisqu'il s'agit de la dotation de solidarité communautaire. Alors, cette dotation de solidarité communautaire, elle est figée dans son montant depuis 2006. Elle ne change pas cette année, et ses règles de répartition ne changent pas non plus depuis cette époque. C'est les mêmes. C'est dans la délibération, il y a la population, il y a le revenu moyen par habitant, il y a le nombre de logements sociaux, le potentiel fiscal... Bon, on en débat souvent, mais voilà, ça ne change pas. Pour 3 775 000 euros, dans son montant total et dans la répartition par commune. Merci. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc c'est d'adopter à l'unanimité et je vous en remercie. Donc nous pouvons en venir, Monsieur Martin, au point 12 voilà. Sur la taxe d'aménagement sur les périmètres, la TAM. Donc là, nous allons créer une taxe complémentaire, la taxe d'aménagement sur les périmètres. En fait, il y a deux périmètres concernés qui sont des périmètres particulièrement dynamiques sur le plan des projets d'aménagement. D'un côté, il y a le Grand Interrive et premièrement, et deuxièmement, il y a la tête nord du pont de l'Europe. Et donc, il est proposé de fixer un taux de 15%, puisque, si vous voulez, autour des zones dynamiques d'aménagement, ben, effectivement, il y a aussi des espaces fonciers qui sont mieux valorisés par les investisseurs. Et donc, il est logique que nous-mêmes, métropoles, qui allons faire de gros investissements, nous ayons un retour de recettes pour payer, justement, les investissements que nous devons faire. On attend une recette sur l'espace interrive en taxes de 76 millions. Je m'empresse de dire que ça sera sur une période d'environ 20 ans. Hein, c'est pas mignon. Et de la même manière que sur le pont de l'Europe, on attend une recette de 20 millions d'euros. Ça ne change pas, et là je le précise, je m'empresse de le dire, la taxe qui est perçue par les communes. Ça vient en plus de... Hein, donc, comme par le passé, la métropole encaisse... la part communale et la reverse. Merci de cette précision importante. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques, donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 13 appelle l'actualisation de tarifs, Monsieur Martin. Bon, écoutez, voilà, on fait effectivement une actualisation des tarifs comme chaque année. Alors, c'est vrai que on sera peut-être amené à corriger un peu nos habitudes d'augmentation tarifaire, puisqu'on était beaucoup sur le 1%.
On voit que maintenant, avec l'inflation, la question se pose. Mais enfin, pour le moment, on reste un peu sur cette tendance. On verra un peu plus tard qu'il en est différemment sur la politique du stationnement. J'expliquerai pourquoi. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté. Je vous en remercie. Je vous propose que pour que nous puissions terminer l'ensemble des délibérations présentées par M. Martin, si vous en êtes d'accord, qu'on puisse examiner le point numéro 31 qui porte sur la modification du périmètre d'exercice du droit de préemption urbain délégué à la commune de Saint-Cyr-en-Val. C'est une délibération qui est importante également, M. Martin. Voilà, vous l'avez résumé dans son, dans son principe, Monsieur le Président. Donc, je vous invite à la voter. Parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, je peux bien présenter la 17 qu'on m'a confiée en entrant en séance. Ah, la 17, écoutez, la 17, si vous la souhaitez, je peux vous la proposer aussi, remarquez. Voilà. Je ne l'avais pas, la 17. Je suis de tous les services. La 31, elle concerne... Elle concerne donc le lieu dit des Quatre Vents à Saint-Cyr-en-Val, puisque vous savez qu'il y a une perspective de vente de ce terrain de plusieurs hectares, qui est de propriété du département aujourd'hui, et que la métropole pourrait souhaiter acquérir, donc préempter. Et c'est donc pour cela qu'il y aurait cette modification du périmètre d'exercice de ce droit de préemption délégué donc à la commune de Saint-Cyr-en-Val pour que la métropole puisse l'exercer. Ça ne veut pas dire, soyons précis à ce stade, que la métropole exercera son droit de préemption, et ça veut dire qu'au vu des délais sur la procédure qui est engagée, donc de vente par le département, cela veut dire que si nous ne passons pas cette délibération ce soir, après nous serons hors délai. Donc voilà, donc cette délibération, elle permet de faire, elle ne décide pas de faire. Voilà, en fonction de l'évolution de ce dossier dans les jours prochains. Nous aurons à en rediscuter d'ailleurs en conférence des maires, parce que c'est un dossier qui est important, je pense, pour la métropole et pour les communes, d'ailleurs, communes qui sont dans le périmètre. Voilà donc la proposition qui est faite sur cette délibération. Donc je ne le répète pas, je pense que c'est très clair et très précis. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur ce point? Oui, Christophe Chaillot. Non, je pense que la précision, effectivement, elle est importante. Il ne s'agit pas ce soir d'approuver cela. Moi, sans refaire le débat qu'on a pu avoir en conférence des maires, je redis que je suis d'autant plus à l'aise par rapport à cela que je fais partie de ceux qui n'ont pas approuvé au Conseil départemental cette transaction, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et donc très honnêtement, très libre par rapport à cela. Néanmoins, je redis qu'à titre personnel, je m'interroge beaucoup sur l'intérêt pour la métropole d'acquérir cela, y compris sans aucun projet précis, et pour un montant qui pourrait être important et que ça nécessite effectivement au préalable qu'on puisse en débattre, et que donc je comprends pleinement qu'il s'agit d'une demande de la commune qui est faite de transmettre à la métropole, c'est, a priori c'est ça, quoi, de transmettre à la métropole ce droit de préemption. Donc il ne s'agit pas d'avoir un droit de regard sur ce que souhaitent les communes dans ce domaine. Néanmoins, très honnêtement, ça mérite que sur le fond, on ait un vrai débat, y compris compte tenu, encore une fois, potentiellement de l'impact financier que cela pourrait avoir. Et donc la précision qu'on ait ce débat préalable, il est effectivement indispensable. Oui, oui, je le redis très clairement, on aura ce débat préalable et si cette délibération est votée, moi, il est très clair que je m'engage à ne pas préempter
signer quoi que ce soit sans qu'il y ait eu cette discussion approfondie en conférence des maires. Parce que effectivement, le sujet mérite débat, vraiment. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Monsieur Mathieu Schlesinger. Merci, Monsieur le Président. Non, c'était pour dire deux choses. La première, c'est que, compte tenu du partage qui a été adopté depuis le transfert de la compétence planification à la métropole, indépendamment du terrain en question, je trouve que c'est plutôt de bonne politique de redonner à la métropole la compétence de préemption sur un terrain qui a plutôt une vocation économique, puisque dans les zones d'activité, c'est la métropole, ou dans les zones d'intérêt métropolitain, c'est la métropole qui a conservé le droit de préemption et ne la restitue aux communes que sur des sujets qui sont plutôt en rapport avec les compétences communales. Donc indépendamment de la question derrière, je trouve que c'est une modification de long terme qui est plutôt pertinente et qui peut peut-être se poser ailleurs dans la métropole et qu'il ne faudra pas l'exclure. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était inscrire la réflexion sur l'éventuelle préemption de ce terrain dans l'axe de la RD 2020 Sud dans son ensemble, parce que ce terrain est situé à Saint-Cyr-en-Val. Il y a d'autres terrains qui sont aujourd'hui situés à Saint-Cyr-en-Val et qui sont en friche. Je pense à la friche d'Itachi. Et il est important d'ordonner la reconversion des fiches avant d'engager, je crois, certaines opérations d'aménagement, même de nature économique. D'autres intervenants ? Oui, Monsieur Martin. Il y a aussi un élément, c'est que ça doit être expertisé par les services de l'État. Donc aujourd'hui, on n'a pas le retour, donc il faut attendre que tous les éléments soient... Je suis assez d'accord sur la gestion des friches. Je fais référence à l'opération Couel, qui était une friche, mais qui était stratégique. Et je rappelle que la métropole l'a portée pendant 10 ans pour un investissement de plus de 7 millions d'euros, qu'effectivement la commune ne pouvait pas le faire. C'était trop lourd. Et qu'aujourd'hui, ça permet, je pense, de faire un beau projet. Donc on était sur une friche. Là, c'était simplement pour documenter l'exemple. Jean-Vincent. Oui, merci, Président. C'est une contribution, mais pas une contribution directe à ce sujet-là. Mais je crois que les interventions des uns des autres, et en particulier celle de Mathieu Schlesinger, posent ce problème-là. Nous avons ouvert une réflexion dans le cadre de ma délégation avec les services, et une réflexion sur la stratégie foncière. Cette réflexion est loin d'être aboutie, mais en tout cas, elle est ouverte. Et je pense que c'est un document, compte tenu de l'ensemble des projets et de nos politiques et de nos responsabilités, c'est un document cadre qui doit nous permettre d'être à l'aise pour ce type de situation qui se présente aujourd'hui. Et j'espère, parce que les services sont vraiment, avec tous les projets qui sont actuellement en cours, j'espère que nous aurons le temps avec les services d'avancer sur des propositions en commission et après dans cette instance pour proposer un document cadre de stratégie foncière. Absolument. Pas d'autres interventions ? Bien, donc je vais vous solliciter, encore une fois, vous avez bien compris l'objet de cette délibération. Donc je vous consulte, y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Donc 21 abstentions. Merci. Donc la délibération est adoptée. Nous pouvons en venir au point numéro 14, les relations humaines. Madame Rastoul. Merci, Monsieur le Président. Donc il vous est demandé d'approuver le renouvellement de deux conventions de mise à disposition du personnel au profit d'équipements d'intérêt métropolitain. Une de ces conventions concerne le parc de Loire. Et la seconde concerne le musée des Beaux-Arts, l'hôtel Cabu, le musée d'histoire, le Zénith, ainsi que le complexe du Baron. Ces conventions sont donc prévues pour une durée d'un an, renouvelable 3 fois. Merci. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non. Donc c'est adopté. Je vous en remercie. Le point numéro 15, prise en charge du paiement de droits d'inscription à l'ordre des architectes, Madame Rastoul. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la prise en charge du paiement du droit d'inscription à l'ordre des architectes de Monsieur Stéphane Gelet, afin qu'il puisse continuer à exercer ses compétences d'architecte au profit de la métropole. Merci, donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro
16, la commande publique, adhésion à la centrale d'achat RESA, Monsieur Lavial. Oui, Monsieur le Président, il s'agit donc, comme vous le disiez, d'approuver l'adhésion à la centrale d'achat RESA, qui est donc le réseau des acheteurs hospitaliers. C'est un groupement d'intérêt public qui œuvre à appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats au départ du secteur de la santé, mais qui a choisi de mettre à disposition aujourd'hui à toutes les collectivités locales et publiques un certain nombre de leurs marchés, notamment sur des segments d'achat particuliers comme l'informatique, les services généraux, les bâtiments et énergie. Voilà, et donc la métropole considère l'intérêt de pouvoir bénéficier de marchés qui sont très largement mutualisés, proposés par ce réseau. Et donc il est proposé d'adhérer à cette centrale d'achat pour l'année 2022 pour un montant de 300 euros. Merci. Y a-t-il des oppositions ? Abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le point 17 appelle les transports et déplacements et donc la grille tarifaire pour l'exploitation des parkings en ouvrage, Monsieur Martin. Donc il s'agit de faire évoluer les tarifs de l'exploitation des parkings en ouvrage et ça concerne la société Orléans Gestion qui administre pratiquement tous les parkings du centre-ville, sauf la place du Mar 3 parce que c'est délégué. Hein, donc c'est pour ça que c'est hors délibération. L'augmentation qui est proposée est de 5% parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'augmentation depuis 5 ans. Donc vous avez dans la délibération l'évolution cumulée des coûts d'exploitation qui représente sur 5 ans un peu plus de 5%. Même. Il y a aussi une autre raison qui ne permet pas d'augmenter les tarifs de façon régulière. Vous savez qu'on ne peut les augmenter en ce qui concerne les tarifs horaires que par des pas de 10 pour des raisons d'encaissement. Vous voyez, sur l'augmentation des tarifs horaires, le quart d'heure passe de 0,5 à 0,6 parce qu'on ne peut pas faire de prix intermédiaire pour des raisons de collecte. Voilà, donc disons en moyenne 5%, notamment sur le tarif des abonnements. Merci. Y a-t-il des remarques ? Oui, Madame Tripet. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce seront donc 5% de hausse de tous les parkings existants. Après celle qu'il y a déjà eu après les travaux du parking master, qui provoque, et je le dis, des parkings ventouses aux alentours. Il y a des personnes qui ne vont plus sur le parking master et qui vont se garer là où il y a les HLM un petit peu plus haut, du côté, comment ça s'appelle, des acacias, etc. Il va y avoir, et on le verra en conseil municipal, la semaine prochaine, une hausse de 5% des tarifs sur voirie. Moi, tout ça, je trouve que ça fait beaucoup. Je sais bien qu'il y a de l'inflation, je sais bien, et j'ai bien entendu vos explications, monsieur Martin. Les salaires ne suivent pas, il y a la hausse de l'énergie. On le dit à chaque fois, et vous nous le donnez comme argument chaque fin d'année, lorsqu'on décrète la gratuité des parkings aux alentours de Noël, que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer autrement qu'avec leur voiture. Et ce que je crains tout à fait derrière, et je le dis, hein, c'est que qui risque de suivre, parce qu'à chaque fois on nous dit que c'est pour faire bonne mesure, c'est le coût des transports. Les transports augmentent déjà le 1er juillet, maintenant c'est pour la voiture. Personnellement, je trouve que c'est vraiment, comment dire, de trop. Voilà, tout le monde le sait ici, il y a une véritable crise sociale qui est en train de se passer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture, même si là il commence à y avoir vraiment de gros problèmes pour l'approvisionnement en carburant. Il va y avoir le coût des assurances, il va y avoir tout le restant. Personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle et je voterai contre. Merci. D'autres ? Oui, Madame Bartosch. Oui, vous parlez d'une augmentation de 5% dans l'ensemble, mais moi, je m'interroge sur l'augmentation du tarif soirée qui passe de 2 euros à 3 euros, donc une augmentation de 50%. Et je m'interroge dans la mesure où ces tarifs participent à l'attractivité du centre-ville, notamment pour le cinéma, le restaurant, et on sait aussi que ceux qui vont au cinéma souvent sont les jeunes, et du coup, là, cette augmentation, elle est pour moi, elle est énorme. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? Est-ce que... Si, pardon ? Non, juste pour... Monsieur Closset.
je ne prendrai pas part au vote compte tenu de mes fonctions à Orléans en gestion. D'accord. Donc, M. Cloussès ne participe pas au vote. Pas d'autres remarques? Est-ce que M. Martin veut ajouter quelque chose? C'est vrai que ça augmente. Pardon, il y avait d'autres... Je voulais pas couper M. Martin. C'était juste pour ajouter, pour également dire que je ne participerai pas au vote puisque je suis au conseil d'administration d'Orléans en gestion. Non, je suis d'accord que 5%... Le problème, c'est l'évolution par palier, vous voyez. Mais ça, pendant 5 ans, il n'y a eu aucune augmentation tarifaire de ce fait. On a du reste un peu le même problème que vous avez évoqué sur la billetterie transport. C'est un peu le même sujet, c'est-à-dire on ne peut pas faire des séquences tronquées pour des raisons de collecte de la recette. Mais voilà. Donc pendant 5 ans, je ne vous ai pas entendu dire non plus qu'il fallait augmenter un tout petit peu le tarif. Hein, vous ne l'avez pas dit. Voilà, enfin, bien sûr. Alors, moi, je fais une ou deux remarques, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Non? Oui, allez-y, bien sûr. À mon interrogation à moi, je veux bien une réponse, s'il vous plaît. Ben, on est sur un coût de parking sur la soirée à 2 euros. Qui défie toute concurrence, si je puis dire. Alors moi, je suis... Merci d'évoquer l'attractivité du centre-ville d'Orléans. J'y suis évidemment très sensible. Mais enfin, quand on va dans n'importe quelle ville et qu'on va se mettre dans un parking de centre-ville en soirée, on a des tarifs qui n'ont aucun rapport avec les 2 euros en question. Donc, on passe de 2 à 3 euros. Alors oui, on peut toujours regretter une augmentation. Mais on est quand même sur des tarifs sur une soirée très faibles. Très, très faibles. Donc voilà, je me permets juste de faire remarquer ce point-là. J'entends là ce que dit Mme Tripet, mais je dirais que il y a un moment, de toute façon, il y a des coûts qui augmentent. Donc, et c'est la même question sur la tarification des transports. C'est comment ces augmentations de coûts sont-elles prises en charge? Et par qui? Et en fait, il y a deux grands vecteurs. Il y a d'une manière ou d'une autre, par l'impôt, qui va venir dans les caisses soit de la commune, soit de la métropole, et qui va permettre d'équilibrer des comptes, et en l'occurrence, les comptes d'Orléans Gestion. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, c'est de la tarification. Il faut bien que, quelque part, le coût il soit pris en charge. Moi, j'estime, y compris par rapport à tout ce que l'on dit, tout ce que l'on veut faire en matière de développement de transports moins polluants, etc., etc., je n'ai pas le sentiment, là, pour le coup, sur de la tarification sur nos parkings, qui plus est sur une hausse qui est très, très modérée, M. Martin l'a rappelé, 5% en 5 ans, je n'ai pas le sentiment que ce soit contradictoire, bien au contraire, avec ce que nous voulons favoriser. Voilà, je pense au contraire que sur la question de la tarification parking, en plus, après, on pourra discuter stationnement en surface, mais sur cette question parking, je n'ai pas le sentiment. Et pour comparer, d'ailleurs, les prix, ou essayer, pas avec toutes les villes, je ne connais pas toutes les villes, mais j'en connais quelques-unes, nous sommes sur une tarification sur les parkings Orléans qui est franchement très, très modérée. Je ne parle même pas de Paris. Alors là, c'est prohibitif, hein. C'est totalement exorbitant. Voilà. Après, donc il faut bien de toute façon que l'augmentation des coûts, encore une fois, elle soit prise en compte d'une manière ou d'une autre. Moi, je trouve qu'il y a un équilibre qui est proposé là, et avec l'augmentation très très modérée de cette tarification. Voilà. Est-ce que pas d'autres interventions? Donc, je vous propose d'en venir au vote, si vous le voulez bien. Donc, je précise juste, comme mes collègues, que je ne participe pas au vote. Alors, qui? Alors, tous les... Bah, on va prendre tout le bureau, effectivement, d'Orléans Gestion.
Est-ce que vous pouvez redire qui est membre du bureau d'Orléans Gestion là? Bah, du conseil. Qui peut le plus, peut le moins, et réciproquement. Donc, allez, hop. Donc, Madame Barwell, Monsieur Clousset, Monsieur Chouin, Monsieur Lacroix, Monsieur Soulas. Voilà, comme ça, pas de problème, c'est parfait. Comment? Oui, puisque Madame Barwell, vous avez le pouvoir de Monsieur Le Ménian. Et voilà, absolument. Donc, Monsieur Le Ménian également. Donc, je vous consulte maintenant. Y a-t-il des oppositions? Alors, 1, 2, 3, 5, 6. 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Ah oui, pardon, j'avais oublié, 22. Oui. 22, j'ai... 22. Donc, la délibération est adoptée. Nous en venons à la gestion des déchets. Donc, la collecte des objets volumineux, Monsieur Schlesinger. Merci, Monsieur le Président. Donc, je présente une délibération qui va être apportée par Thierry Cousin. C'est un sujet dont nous avons beaucoup discuté et qui arrive à... sur... une nouvelle proposition, ça concerne donc la collecte des objets volumineux et il est proposé de mettre en place un dispositif sur rendez-vous qui permettra de faire retirer un certain nombre d'objets volumineux à l'exception de ceux qui doivent être pris notamment dans le cadre de les obligations qui pèsent sur les l'éco-certification ou l'éco-collecte. Et donc il y a deux tarifs qui sont prévus, un tarif de 20 € pour le retrait en habitat individuel, de 50 € en habitat collectif, avec l'idée qu'il y a une mutualisation de la collecte, et un tarif gratuit lorsque ça concerne des copropriétés dégradées. Merci. Y a-t-il des remarques? Alors, Carole Canette. Oui, Monsieur le Président, on a eu l'occasion d'évoquer ça en conférence des maires à plusieurs reprises et on avait fait le constat que le système précédent fonctionnait mal, en tout cas qu'il présentait quelques inconvénients qui sont rappelés dans la délibération et notamment, nous l'avions tous constaté sur nos communes, le fait que les gens étaient parfois un petit peu perdus sur les dates. On voyait des encombrants sur un trottoir à quelques rues de chez soi. Donc on pensait que chez soi, c'était la même chose. Et que plus les gens qui passaient pour voir un peu ce qu'il y avait, en même temps, ça faisait du réemploi, ce qu'il y avait sur les trottoirs et qui se servait, ça c'est une chose, mais qui étalait tout. Et que comme il y avait une mauvaise compréhension de ce qui pouvait être ramassé ou pas ramassé et qu'il fallait organiser des ramassages après supplémentaires, ça pouvait durer pendant des jours et des jours. Bref, le système n'était pas satisfaisant. OK. Est-ce que le système qu'on propose là est plus satisfaisant? Ben, moi, je n'en suis pas certaine. J'étais favorable et j'avais demandé à ce qu'un système de collecte sur rendez-vous soit organisé. Mais sur les modèles, donc de ce point de vue-là, je pourrais m'en satisfaire. Mais sur les modalités qui sont avancées, je pense qu'on ne va en rien améliorer les choses, au contraire. Puisqu'on rend ce service payant, moi je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent la peine d'appeler, de fixer un rendez-vous et de payer pour faire enlever leurs objets volumineux, d'autant qu'à la limite on pourrait imaginer qu'ils le fassent quand il y en a beaucoup, mais... Là, on est sur deux unités. Alors, il y a un petit doute, parce que je crois que dans le règlement, c'est indiqué 3 et que là, dans la délibération, c'est indiqué 2. Bon, une fois par an, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus le faire. Autrement dit, on va mettre sur son trottoir. Enfin, tout ça pour les gens qui n'ont pas de voiture, mais il y en a beaucoup, hein, les gens qui sont... en secteur résidentiel, avec le pavillon avec deux voitures, bon, ils iront à la déchetterie, mais enfin, c'est pas
il y a une grande partie avec leur véhicule, mais il y a une grande partie de nos populations qui n'est pas véhiculée et qui n'a pas la possibilité de le faire. Donc d'une part, on le rend payant, et d'autre part, sur les modalités pour les collectifs, moi je suis persuadée que ça va être un joli bazar parce que tout le monde va mettre les choses sur son trottoir. Là où avant, on attendait la date de la collecte, et même si ça durait quelques jours, au moins ce n'était pas étalé toute l'année, en tout cas moindrement que ça ne va l'être. D'autant que pour le collectif, c'est 50 euros, alors je pense que c'est payé par le bailleur une fois dans l'année, c'est-à-dire qu'une fois que le bailleur a organisé ça, une fois, eh ben, vous attendez toute l'année, et si vous avez acheté... votre frigidaire, alors peut-être pas neuf parce qu'on se le fait reprendre, mais d'occasion parce qu'on n'a pas les moyens, et ben vous avez, ben vous restez avec deux frigidaires dans votre appartement parce que le tour de la porte d'entrée est passé. Voilà, ben, moi je vous le dis, il ne va pas rester dans l'appartement, il va être sur le trottoir, il va être et voilà. Donc je pense que notamment dans les quartiers d'habitat collectif, ce système n'est pas tenable et ça va mettre plus de bazar qu'autre chose. Donc moi, je ne voterai pas ce dispositif tel qu'il est configuré là. En plus, on nous avait, à un moment, on avait envisagé qu'il puisse y avoir des expérimentations, peut-être selon différents modèles pour qu'on voit celui qui marche le plus. Voilà, on n'y est pas. Et encore une fois, moi, je pense que si on n'a pas... Alors, peut-être, effectivement, limiter le nombre de fois dans l'année, peut-être, mais pas rendre aussi contraignant, presque comme un corset sur l'habitat collectif, mais pouvoir individualiser la prestation et limiter le nombre de fois dans l'année par personne, sans doute, mais tant qu'on le rendra payant dans les quartiers, ça, pour les gens pour qui les fins de mois sont difficiles, ça n'est pas tenable et ils se débrouilleront comme ils peuvent. Merci, je crois, Monsieur Fradin. Merci, Monsieur le Président. Oui, je trouve moi aussi que le système précédent avait besoin d'être revu, puisqu'on avait, voilà, comme le disait Carole Canette, pendant plusieurs jours, voire des semaines, des dépôts réguliers sur les trottoirs. Les gens ne savaient plus si la collecte avait été faite ou pas. Une fois que la collecte était faite, ils en remettaient derrière. Donc, du coup, c'était aux villes de suppléer. Toutefois, le système qui est proposé, je trouve, moi aussi, qu'il ne répondra pas et qu'il ne donnera pas entière satisfaction à la collectivité, puisque il vaudrait mieux, à mon sens, avoir un tarif plutôt progressif en fonction du quotient familial et avoir des gratuités concernant certaines catégories de personnes. Voilà, d'autres collectivités, d'autres EPCI ont mis en place ces systèmes-là, hein, soit de gratuité, soit de tarifs progressifs. Et je pense que nous pourrions aller dans cette voie-là. Voilà. Y a-t-il d'autres Marie Vonotin et Vanessa? Oui, alors je ne sais pas s'il y a un système parfait, mais on constate tous, de toute façon, des incivilités dans nos villes. Et comme on a discuté, de toute façon, depuis un certain temps, et on vous l'avait proposé, il faudrait peut-être faire un bilan de ce que nous coûte réellement le ramassage des dépôts sauvages. Parce que les dépôts sauvages, c'est toutes les semaines, et tous les lundis, et toutes les semaines, où on a beau nettoyer, de toute façon, il y a des endroits vraiment où j'arrive à enlever toutes les choses, même pour les bouteilles et tout, parce que tout le monde dépose partout. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait déjà qu'on s'attache à ce que chaque commune puisse chiffrer les intentions réalisées afin de pouvoir mettre en correspondance le coût du ramassage des encombrants par rapport au coût du ramassage des dépôts sauvages. Et puis, je pense qu'on propose un service payant, aujourd'hui, encore un service payant, hein, alors que le ramassage des encombrants était auparavant gratuit et était payé en partie par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais de plus, la complexité pour bénéficier de cette collecte va forcément décourager
des habitants à y avoir recours. Parce que même si le numérique est de plus en plus présent dans notre vie, le fait de devoir s'inscrire et payer en ligne la prestation n'est pas à la portée de tout le monde. Quels accompagnements sont prévus pour ces publics exclus du numérique qui sont peut-être les personnes qui auraient le plus besoin de ce service? Merci. Madame Slimani. Merci. Je rejoins évidemment ce qui a été dit par Carole Canette, Marie Bonotin et Franck Fradin. Je ne suis pas persuadée que les modalités qui sont posées dans la proposition qui est faite sera réellement effective. Concernant notamment les modalités d'inscription, qui restent effectivement complexes et qui mettra en tout cas qui ne sont pas accessibles par toutes et tous, la tarification qui est proposée n'est effectivement pas forcément incitative. En revanche, l'individualisation de la prestation me semble effectivement pertinente plus. Et qu'il y a, au-delà de la tarification progressive sociale, il y a d'autres métropoles aussi qui ont instauré des tarifications progressives en fonction des mètres cubes ramassés. Certains viendraient donc demander une prestation avec un volume important, pourraient effectivement payer plus que ceux qui font enlever moins. En gros, pour dire qu'il y avait différentes possibilités d'adapter ce dispositif pour le rendre évidemment plus attractif et plus utile pour les habitants de nos territoires. Enfin, on est parfois incohérent dans ce que l'on porte, même si moi, effectivement, j'étais aussi complètement d'accord sur le fait d'enlever, et en tout cas de ne pas revenir au dispositif précédent. Mais Carole Canette le disait, hein, tous les habitants du territoire n'ont pas de véhicule. Et dans nos politiques, on incite à ce qu'il y ait moins de véhicules sur le territoire et que les personnes utilisent plus les transports en commun. Utiliser plus les transports en commun, c'est avoir plus de difficultés pour se rendre soi-même en déchetterie. Donc il faut qu'on puisse effectivement proposer des dispositifs qui soient cohérents sur l'ensemble de nos politiques. Gilles Pronot. Oui, nous, donc on voulait intervenir sur la commune de Chanteau en sachant que notre territoire, c'est 90% de domaine forestier. Et qu'on est limitrophe avec la zone urbaine, ce qui nous inquiète surtout par rapport à cette prérogative, c'est que suivant les dates qui vont être données pour, à la rigueur, la possibilité que les gens puissent se débarrasser de leurs encombrants, trouvent ça un peu long et viennent, en fin de compte, encombrer nos chemins forestiers. Donc on en a un peu discuté aussi avec l'ONF, et l'ONF nous a aussi confirmé que les réductions budgétaires, à un moment ou à un autre, pour enlever les déchets sauvages, ne pourront plus assumer comme ils font actuellement. Quoi. Il n'y a pas d'autre, si, Madame Tricot. Oui, je vais être très brève. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la différence de tarif entre individuel et collectif. Est-ce qu'on pourrait m'expliquer cette différence de tarification, s'il vous plaît? Merci. Alors, Monsieur Schlesinger, pour répondre à tous ces éléments. Alors, tout d'abord, peut-être quelques éléments techniques pour répondre à Madame Trippé. Le tarif est facialement plus élevé, mais dans une logique de venue groupée. C'est-à-dire que ça sera pour la copropriété 50 euros, mais il peut y avoir plus de personnes qui déposent. Donc le tarif est vu comme régressif. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est bien trois éléments qui pourront être enlevés. C'est le règlement et ce n'est pas la délibération qui, en l'espèce, fait foi. Donc la délibération doit être modifiée sur ce point-là. Sur le système de tarif, pourquoi ne pas avoir mis en place une tarification au quotient familial? Tout simplement que... Une raison pratique, s'il faut envoyer son QF au service déchets de la métropole pour pouvoir avoir ensuite une facturation de cette prestation, on se rend bien compte que c'est une charge de travail extrêmement lourde pour les services, et le tarif de 20 euros d'une part et de 50 euros d'autre part,
J'ai dit tout à l'heure dans la présentation qu'il y avait une gratuité pour les copropriétés dégradées, mais il y a également une gratuité en habitat individuel pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas accompagner, ils ne peuvent pas emmener leurs déchets dans une déchetterie, ou en tout cas enlever leurs déchets volumineux, leurs objets volumineux dans une déchetterie. Je ne suis pas Thierry Cousin, donc je n'ai pas porté dans le détail cette délibération, mais je me souviens quand même assez nettement des échanges que nous avons pu avoir à multiples reprises en conférence des maires, et j'en avais retenu à titre personnel deux éléments. Le premier, c'est qu'il y avait une forme de consensus sur le fait que l'arrêt de la collecte des encombrants depuis maintenant deux ans ne s'était traduit ni par une augmentation des déchets sauvages, ni par leur réduction. Et donc, le dispositif qui est proposé, je ne suis pas certain à titre personnel qu'il aura un impact positif comme négatif sur l'augmentation ou la réduction des dépôts sauvages qui sont un fléau et qui sont supportés par nos collectivités. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la proposition qui est celle qui se retrouve dans cette délibération faisait à peu près consensus, et la tarification qui avait été envisagée est très vraisemblablement très en deçà du coût que cela va représenter. Et je rappelle que ce système vient en complément d'autres systèmes qui peuvent exister sur le territoire de la métropole. Donc je mentionnais tout à l'heure le fait qu'il y a une obligation de récupération. Quand vous changez votre électroménager, par exemple, l'entreprise qui vous livre est obligée de récupérer l'objet défectueux. Donc ça fait déjà tous ces objets qui sortent du champ de l'enlèvement des objets volumineux. Et puis vous avez des associations, je pense à Emmaüs, qui vient également récupérer, parfois gratuitement, un certain nombre d'objets volumineux. Et puis, nous nous sommes collectivement engagés depuis un certain nombre d'années dans une montée en puissance de nos déchetteries, améliorer le tri, améliorer les ressourceries, la valorisation de tous ces déchets. La délibération suivante permettra d'en prendre conscience. Et donc, on est dans une démarche assez globale. Et le prix qui avait été retenu avait été considéré, je crois, assez largement comme raisonnable par rapport au service qui était proposé. Bon, je découvre ce soir, mais je n'ai pas suivi autant que Thierry Cousin ces éléments, que ce n'est pas le cas. Et évidemment, ce dispositif, qui a déjà été expérimenté sur le territoire de la métropole pendant près d'un an, sera évalué. Mais je veux rassurer tout le monde également, c'est un dispositif qui est peut-être nouveau chez nous, mais qui est loin d'être innovant, hein, puisque il y a plein de collectivités en France qui l'utilisent déjà, et où ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est proposé de le mettre en place. Et ils n'ont pas eu de difficulté quand il s'est agi de trouver le numéro de téléphone ou de régler cela. Vraisemblablement, il y a certains publics qui auront besoin d'accompagnement, comme nous avons l'habitude de le faire. Voilà, c'est la raison pour laquelle cette délibération vous est proposée ce soir. Bien, merci. Et moi, j'ai le sentiment, à la suite de Mathieu Schlesinger, effectivement, qu'en conférence des maires, on en a beaucoup parlé, à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, et que de toute façon, il y avait un consensus pour dire que le système antérieur ne fonctionnait pas et qu'il fallait en changer. Il fallait y mettre un terme. Bon, ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a eu un gros travail de Thierry Cousin et, évidemment, des services de la métropole, pour arriver à proposer un système qui puisse rendre service et qui soit le plus simple possible. Donc, ce qui excluait toutes les idées, que je comprends par ailleurs, mais de tarification différenciée, de caution familiale, etc., etc. Parce que, très franchement, je pense que pour les services, c'est une véritable usine à gaz. On leur en demande toujours, toujours, toujours plus. À un moment, il faut les laisser bosser. Ils ne peuvent pas tout faire, tout le temps, partout. Donc je pense qu'on est tous sensibles à ça et que on peut toujours charger davantage la barque, mais il y a un moment, il faut qu'il y ait des gens derrière qui fassent. Et là, sur cette tarification-là, oui, différenciée, pour un certain nombre d'actions quand même limitées, qui plus est, dans l'année. On va arriver, pardon, je vous le dis un peu crûment, mais je pense qu'on va arriver à faire une usine à gaz. Donc je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Après, j'entends moi les critiques, on s'interroge tous,
comment le système va-t-il fonctionner. Mais moi, ce que je vous propose, mes chers collègues, c'est que au bout d'un an à peu près, on en fasse un bilan et puis qu'on regarde objectivement. Mathieu a eu raison de dire aussi que le système qui est proposé, il ne va pas gérer par miracle le problème de tous les dépôts sauvages qu'on observe dans toutes nos communes. Parce que effectivement, c'est un fléau, mais je crois qu'aujourd'hui, personne n'a véritablement trouvé la recette miracle pour arriver à y mettre un terme. Et les services s'y emploient également. Et on s'y emploie sur le terrain, et les communes d'ailleurs, hein, Marie Vaudotta y a fait référence tout à l'heure, on s'emploie tous là-dessus. Hein, et d'accord. Mais je ne crois pas qu'il y ait un système d'enlèvement de je ne sais quoi qui va mettre un terme à ce problème, à ce comportement qui est choquant, hein, de dépôt sauvage. Bien, donc moi ce que je vous propose, c'est que mettre en place ce système tel qu'il est, qui a été beaucoup travaillé, hein, qui a été vraiment beaucoup travaillé par les services, et puis qu'on en tire le bilan dans quelques temps, et puis qu'on agisse de manière très pragmatique. Si ça marche, il y a des petits trucs qui ne marchent pas, ben on corrigera le tir. Si ça ne marche pas du tout, ben il faudra se réinterroger. Et puis moi j'espère quand même que ça va rendre un certain nombre de services et on en tirera encore une fois le bilan. Bien, donc je vais vous consulter. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? J'en ai 20. Ça fera 20. Voilà. 20 abstentions, la délibération est donc adoptée. On en vient au point numéro 19 qui concerne toujours la gestion des déchets, le traitement des déchets ménagers assimilés. Monsieur Schlesinger. Merci Monsieur le Président. Il s'agit de mettre à jour notre contrat de valorisation, notamment des journaux et magazines qui sont triés à l'UTOM. Et le site qui actuellement les récupérait pour les valoriser était une papeterie en France. Elle a fermé. Il faut donc modifier le contrat pour permettre qu'une papeterie située en Allemagne puisse continuer à les valoriser. Donc évidemment, à terme, on essaiera de retrouver une papeterie plus proche pour éviter cet impact négatif. C'est une recette pour notre collectivité. Merci. S'il n'y a pas de remarques, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le point 20, toujours sur les déchets, et les déchetteries, une convention avec le Lions Club, Monsieur Schlesinger. C'est le même esprit, c'est de la valorisation de déchets très particuliers qui sont les vieilles radios. C'est une opération que mène le Lions Club depuis plusieurs années. Donc il est proposé de maintenir cette convention et de valoriser ces vieilles radios qui sont retrouvées. Merci. Y a-t-il des oppositions ? Abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous en venons aux questions d'assainissement avec la mise en place d'une aide à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie, Monsieur Fromentin. Oui, dans le cadre des assises de la transition, il y a un certain nombre d'idées qui ont été émises. Il y en a notamment une qui concernait l'accompagnement des particuliers à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place pour la période 2022-2026 une opération accompagnement des particuliers pour l'acquisition des récupérateurs d'eau de pluie et de passer des conventionnements avec des établissements qui en vendent. D'approuver le montant de 50 euros par bon d'achat et d'autoriser, Monsieur le Président, installer le récupérateur, s'il veut. Merci, tu peux avoir du boulot. Donc, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 22 appelle les modalités de dégrèvement concernant la redevance assainissement, Monsieur Fromentin. Oui, il s'agit d'approuver les modalités précisées de dégrèvement de la part assainissement de la facture d'eau en cas de fuite
après compteur sur les installations privées des usagers, dès lors qu'aucun service d'assainissement n'est rendu. C'est une disposition extrêmement importante, puisqu'un certain nombre de gens qui avaient des fuites d'eau après compteur se voyaient payer de manière relativement injuste une part assainissement alors qu'il n'y avait pas de traitement d'assainissement concomitant. Donc c'est, à mon avis, une très très bonne décision qu'on prend ce soir, si vous décidez. Alors, je vais vous solliciter pour savoir si vous voulez prendre une très bonne décision. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous poursuivons sur l'assainissement avec la station d'épuration de la Chapelle Saint-Mémin. Il est proposé une transaction pour mettre fin à un litige. Monsieur Fromentin. Oui. Dans le cadre de... Nous avons été dans l'obligation d'abattre la peuplerette de la station d'épuration de la Chapelle Saint-Mémin. C'est une opération qui s'est faite il y a quelques mois. Cette peuplerette va être... Enfin, ce site va être remis en herbe et en arbre très rapidement. Mais on a eu un litige avec un jeune couple qui montre qu'il y a un château juste au-dessus de la station d'épuration et qui fait des réceptions et qui fait aussi des mariages. Et ils sont réveillés un beau matin avec une vue superbe sur la station d'épuration, puisque la peuplerette n'était plus là. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'après négociation avec eux, ce qu'on vous propose, c'est d'approuver le principe de la conclusion d'une transaction destinée à mettre fin aux différents opposants Orléans Métropole à la SARL Motiron du domaine du château du Rollin, et d'approuver le protocole transactionnel correspondant à passer avec celle-ci, prévoyant notamment le versement à son profit d'une indemnité amiable d'un montant forfaitaire de 9 586,14 €, qui correspond à une participation de leur... eux ont replanté des arbres derrière et ça correspond à ça. Si j'ai bien compris, ils replantent. Voilà, ils ont déjà replanté. Ils ont déjà replanté, Madame le maire. Les plantations vont bien. Merci. Je voulais remercier Christian Fromentin et les services d'Orléans Métropole pour avoir cherché et trouvé un accord amiable donc avec ces hôteliers. Et cet accord va leur permettre de préserver leur saison touristique. Merci à vous. Très bien. Donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Je vous en remercie. Nous en venons à la prévention des risques. Monsieur Triquet. Oui, nous sommes sur le domaine de la compétence GEMAPI et il s'agit de la gestion des digues de Loire. C'était un sujet que nous avons déjà évoqué ici. Je vous rappelle qu'à partir du 24 janvier 2024, les EPCI seront directement en pleine responsabilité quant à la gestion de ces digues, donc avec des enjeux très importants. Pour bien mesurer ces enjeux, vous aviez décidé il y a quelque temps de mener une étude de gouvernance pour savoir quelles étaient les meilleures modalités pour conduire cette opération. Ceci nous conduit à envisager de travailler à partir de janvier 2024 avec l'établissement public Loire sous la forme d'une délégation de compétences à cet établissement. Quoi qu'il en soit, il faut que nous soyons pleinement opérationnels le 24 janvier 2024, y compris s'il devait y avoir éventuellement une crise majeure. Donc ça nécessite bien entendu une anticipation de ce travail. C'est ce qui vous est proposé dans le cadre de la délibération sous la forme d'une convention signée pour l'année 2022, donc sur le deuxième semestre. Et c'est l'amorce de la construction du travail qui va être à mettre en place avec l'établissement public Loire. Donc la proposition qui est faite, c'est la signature de cette convention, et les enjeux financiers pour cette année ne sont pas très importants puisque la somme globale représente 36 000 euros répartis entre les 7 EPCI, parce que ça concerne les 7 EPCI qui vont de l'est à l'ouest du département. Et donc la somme est de 5 143 euros pour Orléans Métropole pour cette première convention. Merci beaucoup. Je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Nous pouvons en venir à l'habitat-logement avec le PLH, Monsieur Chouin. Merci, Monsieur le Président. Par cette délibération, il s'agit d'approuver le projet du PLH 4 pour les années à venir, 2023 à 2028. Ce projet est composé de 5 livrables
On y trouve le bilan du PLH3, un diagnostic, les orientations bien sûr, le programme d'action composé de 22 actions et de 17 sous-actions, ainsi que les 22 fiches communales. Alors le projet est un document juridique obligatoire, mais surtout il est l'expression d'un projet territorial partagé par tous les acteurs locaux en matière d'habitat, et c'est aussi le fruit d'un an de concertation, de 6 ateliers thématiques, de réunions bilatérales avec chaque maire, d'échanges avec les services et de 3 temps de travail avec le conseil de développement. Si l'on fait maintenant le bilan du PLH3, on peut regarder dans un premier temps plusieurs chiffres emblématiques du PLH. Et dans ces chiffres emblématiques, ce sont 12 000 logements démarrés. Donc par rapport à l'objectif qui était fixé à l'origine du PLH3, c'est un objectif qui est rempli à 113%, et dont 2 900 logements sociaux, et là c'est 90% de l'objectif. Ce sont aussi 4 800 logements rénovés, dont 2 854 logements sociaux, 300 ménages accompagnés pour l'adaptation de leur logement, 26 000 personnes accompagnées par la maison de l'habitat, 18 000 attributions de logements sociaux, 3 300 aides au FUL, Fonds Unifié Logement, et 700 personnes en insertion depuis 2017. Au travers de ces chiffres, au-delà de la réponse sociale que la métropole apporte, on perçoit tout autant l'impact économique sur nos entreprises, sur l'emploi, avec notamment le volet insertion généré par les programmes de logement financés. Le bilan du BLH3, c'est aussi un volet social, avec des demandeurs de logement social et des bénéficiaires des aides FUL accompagnés dans leur parcours logement. C'est aussi 44 ateliers du PLH, 6 clubs SRU et 28 réunions intercommunales. Si l'on fait maintenant un point sur les orientations qui ont été retenues dans ce PLH4, eh bien, le PLH est composé de 4 orientations fortes qui déterminent notre feuille de route. Il s'agit d'inscrire pleinement la politique habitat dans la transition écologique, avec une action emblématique qui est ici présentée, la rénovation énergétique. Il s'agit également dans les orientations de réduire les déséquilibres en faveur des mixités et de la dignité. Dans les actions emblématiques, on notera la production de logements locatifs sociaux, bien sûr, et le logement privé abordable. Il s'agit également de contribuer à l'attractivité du territoire par l'offre de logements. On fera un focus sur le logement étudiant, notamment, et d'observer et d'accompagner une politique habitat partagé en réfléchissant sur la création d'une maison de l'habitant. Les actions, ces actions, elles se déclinent en 22 actions et 17 sous-actions. Je rappelle également que chaque commune a été destinataire de l'ensemble du détail complet de ses actions et sous-actions et du diagnostic qui a conduit à ces choix partagés. Une des notions importantes du PLH, bien sûr, c'est la transition écologique. Donc, pour mémoire, Orléans Métropole a adopté le 28 novembre 2019 son premier PCAET, donc Plan Climat Air Énergie Territoriale, avec une ambition de devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. À cet effet, nous nous sommes fixés pour feuille de route d'enclencher notre transition écologique et d'atteindre nos objectifs de réduction des consommations énergétiques, d'augmentation des productions d'énergie renouvelable et de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, la performance énergétique et la sobriété des bâtiments, et notamment l'habitat, constituent un des principaux enjeux, comme on peut le voir ici. Vous voyez sur la diapositive qu'effectivement un tiers des résidences ont été construites avant 1970, date à laquelle il n'y avait effectivement pas de normes d'isolation, que 15 000 ménages sont considérés en précarité énergétique à Orléans. D'où, bien sûr, la réflexion et l'utilité et la décision qui sera bientôt prise, puisque c'est dans ce présent Conseil métropolitain, de création d'un guichet unique de la rénovation énergétique. Le guichet unique de la rénovation énergétique, eh bien, si l'on fait un focus sur ce guichet, son principal objectif est de faire converger toutes les demandes vers ce guichet qui sera installé dans les locaux de la DIL. Il aura pour mission d'accompagner toutes les demandes de la première information à la recherche d'un plan de financement optimisé et de conduire les demandeurs à choisir des travaux visant une performance énergétique maximale. Son financement sera assuré par l'ADEME, par des aides européennes et par la métropole. Afin de permettre une identification particulière de ce nouveau service, nous l'avons baptisé Ma Métro Rénove.
la programmation de la nouvelle offre de logements inscrite dans le PLH4, ce sont 9600 logements d'inscrits pour donc 1600 logements par an, dont 2800 logements sociaux, ce qui représente à peu près 28% de logements sociaux dans la programmation. Sachant que, comme on le voit sur la diapositive, 51% de cette programmation de logements sociaux est réalisée sur les 8 communes qui sont en rattrapage SRU. La production de logements proposée dans le PLH4, elle traduit la compilation des programmes annoncés par chacune des 22 communes et respecte également la volonté des communes en matière de production de logements sociaux. Vous avez également la ventilation de cette programmation de logements dans le PLH4 avec des PLAI pour 8,5%, des plus pour 13,2%, des PLS pour 6,9% et ensuite l'accession sociale pour 7,8% et le logement locatif ou l'accession libre pour le reste et la plus grande part, donc pour à peu près 64%. Comme je l'ai annoncé dans le préambule, on a aussi dans le PLH4 une attention particulière sur la production de logements abordables. Le constat, en fait, c'est effectivement la difficulté des ménages à sortir du parc social, car l'offre du marché est particulièrement chère pour eux, de l'ordre de 4000 euros du mètre carré sur la métropole en moyenne. Et on sait qu'on a on est plutôt sur du neuf entre 3000 euros et 5000 euros selon les secteurs. Alors la difficulté, comme vous le voyez sur la diapositive, elle se matérialise simplement. En fait, le prix moyen et le prix médian donc d'une maison est de 190 000 euros et on s'aperçoit que les locataires du parc social peuvent y accéder pour 10% d'entre eux, alors que les locataires du parc privé ont cette possibilité pour 40% d'entre eux. Il en est de même pour un appartement dont la moyenne, le prix médian est de 140 000 euros, où là le locataire du parc social, les locataires du parc social pour 40% peuvent y accéder contre 70% des locataires du parc privé. Dans cette réflexion, en fait, les solutions avancées pour tenter d'apporter une solution dans ce projet de PLH sont de reprendre trois propositions qui sont inscrites sur la diapositive. Donc, produire une offre entre le logement social et le logement du marché, poursuivre les dispositifs existants que sont le PSLA, l'accession sociale et les LLI, et bien sûr soutenir les expérimentations telles que le bail réel solidaire ou l'usufruit social. Si on fait maintenant un focus sur le logement étudiant, le logement des jeunes dans notre projet PLH comprend une action spécifique qui est celle-ci, le logement étudiant. Et dans ce cadre, l'Observatoire territorial du logement étudiant a établi des simulations de prospective du nombre d'étudiants en 2026 qui devraient atteindre de l'ordre de 26 000 à 27 000 étudiants. Cela générera de fait une demande sur ces logements étudiants qui est évaluée par l'Observatoire à 1650 logements dédiés. Un certain nombre de programmes identifiés permettront de répondre à cette demande et les prospectives seront également suivies afin de pouvoir guider les propositions formulées par les opérateurs. Ce qui nous intéresse aussi et le regard que la métropole aura, c'est effectivement, bien sûr, l'accompagnement du développement de l'enseignement supérieur, mais surtout aussi vérifier la mutabilité des logements. C'est-à-dire qu'on va effectivement construire pour des logements étudiants, mais l'idée, c'est que ces logements ne resteront peut-être pas toujours des logements étudiants et il faut qu'ils soient adaptés à d'autres publics dès leur création. Et du coup, le troisième élément fort, c'est de diversifier les produits proposés pour répondre à tous les revenus. Vous avez une répartition aussi de ces 1650 logements en termes de prospective en fonction des différents prestataires qui pourraient les construire. J'en ai parlé aussi en préambule. L'idée, c'est d'améliorer et de simplifier l'information sur le logement en essayant de tendre vers un lieu partagé sur la métropole. Et donc, nous étudions, comme cela était déjà inscrit dans le PLH3, l'opportunité, la faisabilité de rassembler en un même lieu les associations et structures qui forment ou apportent une réponse en matière de logement. Cela constitue par ailleurs une demande récurrente de nos partenaires qui sont inscrits sur cette diapositive avec Solia, l'ADIL, la Maison de l'Habitat, le Tribunal, Solia AIS et puis bien sûr les constructeurs, aménageurs et bailleurs sociaux.
Tous ces éléments et ce PLH a un coût pour la métropole. Le budget prévisionnel du PLH 4, eh bien, c'est un budget de fonctionnement à l'identique du PLH 3. Il s'élèvera à 2,6 millions d'euros. Et le budget d'investissement, lui, s'élève, comme vous le voyez sur la diapositive, à 20,8 millions d'euros. Et il progresse de 2 600 000 euros. Qui se répartissent, comme on le voit, entre la transition énergétique pour 4,7 millions, la mixité et la dignité pour l'habitat et l'habitat dégradé pour 7,5 millions, l'attractivité du territoire pour 7,2 millions et l'observatoire et l'accompagnement pour 1 400 000 euros. Enfin, les prochaines échéances, donc bien sûr l'échéance que l'on est en train de matérialiser ce soir, le premier examen du projet, puisqu'il s'agit encore d'un projet du PLH 4 en Conseil métropolitain, et puis ensuite, à la suite de ce Conseil métropolitain, les communes seront interrogées sur la période de juillet à octobre 2022 pour émettre un avis dans chacun de leurs conseils municipaux. Nous aurons le 17 novembre, au Conseil métropolitain du 17 novembre, donc un deuxième examen du projet, qui sera toujours à l'état de projet du PLH 4 en Conseil métropolitain. Et puis l'idée, c'est de tendre en mars 2023 à l'approbation du PLH 4 en Conseil métropolitain. Je précise que cette évolution, que ce projet peut bien sûr encore évoluer, hein, puisqu'on l'a déjà évoqué en conférence des maires, pour répondre notamment aux demandes des maires sur les fiches communales s'ils souhaitent affiner les projets de logement ou apporter des commentaires ou des rectifications. Mais toutefois, il faut qu'on leur rappelle que les estimations de production de logements doivent rester cohérentes avec les objectifs présentés en avril dernier dans le PLUM. Et on sait que l'État aura une attention particulière sur la corrélation qui sera faite. Hein. On peut aussi se dire par rapport à ces corrections et l'importance des corrections qu'il sera peut-être plus facile de faire des ajustements lorsque l'on fera le bilan à mi-parcours. Voilà, Monsieur le Président, en fait, la présentation du projet élaboré pour le PLH à venir, pour lequel il convient aussi de remercier l'engagement et le travail de tous les acteurs de sa construction, au premier rang desquels se trouvent notamment les agents du service habitat-logement de la métropole, les services des communes et bien entendu les maires qui ont été associés, les maires de notre métropole. Merci à vous. Je me joins à vos remerciements, M. Choix. Y a-t-il des interventions? M. Montillo, Mme Tripet. Oui, merci à Stéphane Chouin de cette présentation et au service effectivement de ce travail important, y compris avec tous les travaux qui sont menés par Topos. Et je voudrais revenir 2 secondes sur la question des étudiants, parce qu'on parlait tout à l'heure d'attractivité du territoire, faire venir effectivement des étudiants, faire venir des entreprises, c'est ce qui participe à l'attractivité du territoire. Dans ce domaine-là, on était en 2016 à peu près 17 000 étudiants sur notre territoire. En 2026-2027, on devrait passer à 27 000 étudiants, c'est-à-dire d'ailleurs 1 000 de plus que le plafond que nous avions évoqué il y a 2 années seulement. Et en passant du coup un besoin minimum de 1 000 logements il y a 2 ans à 1 650, tel que le disait Stéphane Chouin il y a quelques instants. J'insiste sur le fait que 2026-2027, c'est demain matin, et que on n'est pas du tout, je ne suis pas du tout convaincu encore, y compris lors de notre réunion avec Topos il y a de cela un mois environ, qu'on y parvienne dans les délais. Voilà, donc je me permets juste à la fois d'apporter un élément extrêmement positif et optimiste, c'est cette hausse de pratiquement 65%, 70% du nombre d'étudiants en l'espace d'une décennie, ce qui est énorme, hein. Il n'y a pas d'autres villes en France qui ont ce type d'augmentation, mais en même temps, les contraintes que cela représente malgré tout pour notre territoire. C'est très juste, c'est un point fondamental. Hein. Il ne faudrait pas qu'on contraigne le développement de notre enseignement supérieur et de notre université par une insuffisance de capacité d'accueil. Ce serait vraiment regrettable. Madame Tripet. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai une interrogation et peut-être une suggestion. Alors, ça fait suite peut-être au logement étudiant, mais je veux parler de d'autres jeunes qui étudient, et je parle des jeunes apprentis
qui peuvent être sur notre territoire et dont malheureusement les parents n'habitent pas à côté. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de voir du côté du logement étudiant pour peut-être aussi avoir du logement pour les apprentis, parce que pour le coup là c'est vraiment la débrouille pour les parents qui essayent de faire des locations partagées, d'être auprès des bailleurs, etc. Mais alors de leur côté effectivement c'est vraiment les laisser un petit peu à chercher et à se débrouiller, et je pense qu'on pourrait aussi travailler là-dessus. Nous avons de nombreux CFA, on voit aussi que l'apprentissage c'est aussi une façon de rentrer dans le monde du travail, mais il faut aussi leur permettre ce temps de l'apprentissage justement et de pouvoir eux aussi se loger. Merci. Et vous avez raison, et c'est tout le projet notamment de Maison des Apprentis que nous portons avec Madame Slimani et dont d'ailleurs nous venons de faire l'acquisition là en début de séance. Ah oui, pardon, c'était au bureau. On vient d'acquérir, faire l'acquisition par le bureau de la métropole, donc du bâtiment qui nous permet de réaliser la maison des apprentis. Donc oui, bien sûr. Oui, si je peux compléter, on aura évidemment d'autres moments où on pourra revenir, en tout cas évoquer ce projet plus précisément, mais l'objectif là de l'acquisition, c'est bien effectivement derrière de pouvoir effectivement transformer cette résidence qui est datée, vétuste, qui ne se remplit pas, avec de nouvelles du coup modalités de gestion et de remplissage aussi, avec des publics différents. Les apprentis ont évolué. On a aussi maintenant donc on a évidemment des mineurs, des jeunes majeurs. On a des adultes en formation continue et on a en tout cas sur la métropole cette résidence qui pourra en tout cas répondre à l'ensemble des besoins tels que c'était évoqué à l'instant. Bien, merci, monsieur. Je voulais juste compléter en fait en deux mots, hein, parce qu'effectivement, là, on a fait un focus sur le logement étudiant, mais en fait, la logique du PLH, c'est de répondre aussi à l'habitat spécifique en général et de travailler aussi bien sur les seniors que les personnes handicapées, que les gens du voyage et que les jeunes en général. Et merci, monsieur Chouin, pour cette présentation très, très riche. Donc, je vous consulte, mes chers collègues. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous pouvons en venir au point numéro 26 et nous poursuivons sur les questions d'habitat-logement. Monsieur Chouin. Nous sommes avec ce projet de délibération toujours dans le cadre de la, délégation des aides à la pierre, donnée par convention par l'État à la métropole. Et dans ce cadre, la métropole a accordé des agréments et des subventions à des opérations de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux. Deux opérations ont été annulées au titre de programmations antérieures à 2021. Il s'agit de la rue de la Gare à Ingré, portée par Valogis pour 6 logements, et du 1 rue du Faubourg-Bourgogne, portée par 3F Centre-Val-de-Loire pour 45 logements. Il convient pour ces deux opérations d'abroger la compétence accordée au bureau métropolitain par délibération du Conseil métropolitain en matière de garantie d'emprunt et d'attribution des aides publiques, exclusivement pour ces deux opérations, d'abroger la délibération 5617 du Conseil de communauté du 19 novembre 2015, d'abroger une partie de la délibération 2011-11-09.com/50 du Conseil métropolitain du 9 novembre 2021, là aussi uniquement pour l'opération présentée par 3F Centre-Val-de-Loire, et d'approuver l'abrogation d'octroi de garantie d'emprunt, de subvention, d'agrément délivré au titre de l'État, ainsi que la résiliation des conventions de garantie d'emprunt pour les montants détaillés dans la délibération, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer les décisions relatives à l'abrogation de ces opérations, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer la décision relative aux abrogations de l'octroi de garantie d'emprunt et aux résiliations des conventions afférentes et d'annuler, bien sûr, l'inscription des recettes correspondantes au budget délégué de l'État. Merci. Je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous en venons à un point numéro 27 qui est également très important. Il en a été question dans la présentation du PLH. Il s'agit donc de la création d'un guichet unique pour la rénovation énergétique des logements. Monsieur Chouin. Il s'agit d'approuver la convention à passer avec l'ADIL du Loiret et d'Eure-et-Loir pour la création du guichet unique de la rénovation énergétique de la métropole orléanaise qui portera donc le nom de Ma Métro Rénov.
Cette démarche est un des outils développés par la métropole pour atteindre ses objectifs de réduction des consommations énergétiques, d'augmentation des productions d'énergie renouvelable et de diminution des émissions de gaz à effet de serre. La convention proposée d'une durée de 3 ans, 2022-2025, et les objectifs et engagements respectifs sont précisés dans la délibération. Le coût du guichet unique pour la durée de la convention est estimé à 809 667 euros, financé par le SAR et le FEDER, et le coût résiduel pour la métropole est estimé à 290 667 euros pour la durée de la convention. Il est ainsi demandé au Conseil métropolitain d'approuver la convention partenariale à passer avec la DIL pour la période 2022-2025, relative à la mise en œuvre du guichet unique, d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer la dite convention et d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2022. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureux que cette délibération vienne ce soir parce que c'est un gros travail qui a été fait depuis des mois et des mois et des mois. Et donc, on aboutit. On est dans le cadre des assises de la transition et c'est vraiment un domaine fondamental là que l'on est en train véritablement de mettre en œuvre. Donc, merci beaucoup pour cette délibération. Il n'y a pas de remarques, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point numéro 28, nous poursuivons dans la transition écologique, la rénovation énergétique. Monsieur Chouin. Oui, effectivement, toujours dans l'objectif métropolitain d'accélérer la transition énergétique et écologique, il est demandé au Conseil métropolitain d'approuver la convention Récif Plus à passer avec la SEM Île-de-France Énergie dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action en faveur de la rénovation des copropriétés du territoire d'Orléans Métropole dans le cadre d'un programme qui a débuté en juillet 2021 et qui se termine en décembre 2023. Ce programme cible spécifiquement les copropriétés de plus de 25 ans, sans problème majeur d'impayé et de plus de 10 lots, en capacité de mener une rénovation énergétique. Il vise à massifier la rénovation énergétique des copropriétés en France, en stimulant la demande de rénovation par diverses actions détaillées dans la délibération. Il permet également de bénéficier de ressources méthodologiques et financières pour mettre en œuvre le plan d'action défini par Orléans Métropole, et d'intégrer un réseau de collectivités engagées dans le but de partager des ressources et des expériences. Il est donc demandé d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la dite convention. Merci, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 29, aménagement, il s'agit du programme de requalification des quartiers anciens dégradés. Monsieur Chouin. Pour ce projet, il s'agit dans le cadre de l'OPA RU des Carmes et de l'opération de restauration immobilière souhaitée par la métropole, d'approuver la nature des travaux imposés aux propriétaires, tels qu'ils sont décrits dans le dossier d'enquête publique préalable, joint à la déclaration d'utilité publique, et d'approuver les délais de réalisation qui s'imposeront aux propriétaires, à savoir 24 mois pour les copropriétés et 15 mois pour les immeubles en monopropriété, pour les adresses qui sont définies dans la délibération. Étant également précisé que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la DUP et que Madame la préfète a déclaré d'utilité publique au bénéfice du concessionnaire Semdos Italios ses travaux en vue du Nori. Merci, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le point 30 appelle l'action foncière, le bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'exercice 2021. Monsieur Valliès. Oui, merci, Président. C'est un bilan pour lequel nous aurons à prendre acte si l'Assemblée le souhaite. Juste dire deux mots, puisque vous avez un tableau joint à sa délibération qui est extrêmement précis, mais fourni. Donc, je ne vous présenterai pas, bien sûr, l'ensemble des cessions et acquisitions qui ont été faites durant l'exercice 2021. Mais juste dire en deux mots que l'ensemble de ces acquisitions ou cessions participent à l'ensemble de nos politiques, bien sûr, d'aménagement et de développement, en ce qui concerne les mobilités, en ce qui concerne bien sûr des opérations importantes comme Interrive élargie, le boulevard urbain métropolitain des Groux, l'action et accompagnement de l'action foncière des différentes actions économiques et commerciales de la métropole, l'aménagement d'espaces publics et également l'accompagnement d'actions foncières réalisées pour des aménagements pour des aménageurs. Vous avez sur le tableau l'ensemble des acquisitions et des cessions. Vous avez aussi l'information sur les différentes conventions de portage menées durant cet exercice, en particulier par le FLI, le PHLI. Vous avez aussi un récapitulatif par ville et par opération, par thématique. Voilà.
Nous devons prendre acte, donc, oui. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, je vous demande de bien vouloir prendre acte de ce bilan, si vous en êtes d'accord. Et je vous en remercie. Donc, il est pris acte. Le point numéro 32 appelle l'attractivité économique. Monsieur Thébibel. Oui, merci, monsieur le Président, chers collègues. Comme vous le savez, IKEA s'est implanté en 2013 sur la commune d'Ardon, Saint-Dazac de Limère. Et donc, pour assurer la desserte du terrain d'IKEA qui fait partie de l'aire urbaine d'Orléans, il avait été décidé d'un commun accord avec la Comcom de canton de la Ferté-Saint-Aubin à l'époque pour que l'agglo d'Orléans participerait au financement des aménagements routiers permettant le raccordement à l'RD 2020, ce qui était fait à hauteur de 1 464 879 euros sur un montant global de 3 626 673 euros, le solde étant pris en charge par le département du Loiret. Sur la période 2013-2014, la Comcom du canton de la Ferté-Saint-Aubin avait donné son accord pour que le remboursement de cet aménagement se fasse au travers du reversement à l'agglomération d'Orléans d'une partie des recettes fiscales issues de l'implantation de l'enseigne. D'ailleurs, à l'instar de ce qui avait été fait par le passé, rappelez-vous, pour l'aménagement de la ZAC de Limère pour accueillir à l'époque Hitachi et Air Liquide, qui maintenant est devenu Maquet. Donc jusqu'à présent, les deux EPCI n'avaient pas pu s'accorder sur le taux et la durée du remboursement de la fiscalité. Et à travers un dialogue qui s'est instauré dès 2021, un accord a été trouvé en mars 2022 sur une convention de remboursement qui est définie de la manière suivante. Un remboursement qui s'étale sur 10 ans, jusqu'en donc en 2032, avec un premier versement de 410 000 euros, suivi de 10 versements annuels de 105 487,90 euros. À noter que chaque partie s'engage à travailler de manière concertée sur les aménagements à venir de la ZAC de Limère avec une convention de partenariat, une sorte de méthode de concertation qui pourra être adoptée par les deux parties. Parce que je crois qu'il faut, même si ce n'est pas effectivement sur notre territoire, je crois qu'il est important qu'on ait une approche globale de l'aménagement de notre territoire parce que nous sommes sur le même bassin de vie, même effectivement si ça se passe aux portes de notre métropole. Voilà ce qu'il est demandé d'approuver. Merci beaucoup. Je vous consulte. Y a-t-il... Mais bien sûr. Non, c'est simplement parce que Pascal Thébibel dit qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les EPCI. Je suis désolé, mais nous avions délibéré sur ce dossier à l'époque. Et sur donc, le taux et le remboursement, c'est ça, sur le principe. Sur le remboursement. Donc, pas sur le taux et la durée. C'est bien parce que certains n'ont pas voulu respecter cet accord qu'il a fallu remettre le dossier à l'étude et arriver à ce compromis. Très bien. Parfait. Cette précision. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous en venons toujours à l'attractivité économique, convention avec la région Centre-Val de Loire, monsieur Thébibel. C'est une délibération technique, c'est l'approbation d'un deuxième avenant à une convention qui permet à la métropole d'abonder les aides économiques de la région si elle le souhaite, et symétriquement permettre à la région d'abonder les aides à l'immobilier des entreprises qu'Orléans Métropole a accordées aux entreprises. Donc cette convention devait initialement prendre fin à l'échéance du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, au 31 décembre 2021. Compte tenu de la crise sanitaire et du report des élections régionales, l'élaboration du nouveau SRDE2I a été reportée à l'année 2022. Nous avions déjà délibéré pour le reporter jusqu'au 30 juin 2022, mais comme il n'a pas encore été adopté, puisqu'il le sera probablement en octobre, on propose effectivement de prolonger cette convention jusqu'au 31 décembre 2022 pour assurer la continuité de cette convention. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Nous en venons au développement numérique et à la ville intelligente, M. Millat. Oui, il vous est demandé de voter une subvention à Digital Loire-Vallée, qui est un groupe qui s'occupe de mettre en avant les start-up et les pépites qui sont dans la région orléanaise et dans le Val-de-Loire. Notamment chez nous, s'occupe principalement de détecter les cas particuliers de Agrin Labo, du Labo, faire venir des nouvelles têtes et surtout trouver des business angels qui pourraient venir aider ces jeunes pousses. On vous propose donc de voter une subvention de 20 000 euros sur cette
pour cette convention, 20 000 euros qui seraient reportés 3 ans de suite, donc 2022, 2023 et 2024, sachant que notre contribution de 20 000 euros n'est pas grand-chose comparée aux 480 000 euros du budget de cette association, qui est sponsorisée par notamment Tours Métropole, le département et la région. Merci. S'il n'y a pas de remarques, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le point 35 concerne la commune de Saint-Cyr-en-Val et une convention avec GRDF, M. Millat. Oui. Alors, je vous rappelle, pour l'extension du site FM Logistique à la Saussée, il était prévu de faire un dévoiement de réseau de Canagaz. Donc ça a été fait. Et maintenant qu'on a dévoyé le réseau, on a un bout de tuyau qui est vide, inerte, et que l'on va donc laisser dans le terrain. Et c'est juste pour dire qu'on le laisse dans le terrain et qu'on vend le terrain en l'état avec le bout de tuyau inerté dessous. Très bien. Donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions concernant le bout de tuyau ? Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point 36... soutient la création d'entreprises, M. Villard. Oui, c'est un soutien donc à la BGE. Chaque année, on donnait une subvention à la BGE. Cette année, pour faire participer à l'effort de fonctionnement de la métropole, les services et moi-même avons décidé de diminuer la subvention à la BGE. On leur donnera, je vous propose de leur octroyer 40 000 euros au lieu de 50 000, sachant que la BGE œuvre énormément sur le Loiret. Pour l'année dernière, ils ont aidé 457 entreprises et ils ont permis de consolider 2160 emplois. C'est pas neutre. Voilà, donc 40 000 euros au lieu de 50. Merci, M. Millat. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc c'est adopté. Je vous en remercie. Nous en venons au point 37. Nous revenons au tourisme, M. Thébibel, et la fixation des tarifs de la taxe de séjour. Oui, il s'agit simplement de la fixation des tarifs de la taxe de séjour qui, pour l'année suivante, doivent être toujours délibérés avant le 1er juillet. C'est la raison de ce vote. Il faut rappeler que, bien sûr, la collecte bien sûr, de cette taxe est intégralement utilisée pour le développement touristique du territoire et dont vous avez joint les tarifs de la taxe de séjour par classe d'hébergement jointe à cette délibération. Merci. Je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le point 38 est retiré de l'ordre du jour. On va en venir au point numéro 39, la création d'une zone agricole protégée, M. Baude. Bien, alors le dossier des ZAP, on en a déjà parlé. Là, il s'agit de la suite de la procédure. Pour mémoire, la décision et la procédure appartient à Madame la Préfète et la compétence appartient à la Métropole. Donc, le circuit normal, c'est que les communes sollicitent la Métropole qui, elle-même, sollicite Madame la Préfète. Alors, les études préalables ont déjà été réalisées. Ensuite, la concertation, le diagnostic de territoire a été réalisé. Ensuite, la concertation s'est tenue, concertation avec les propriétaires et concertation avec les exploitants. Ensuite, les élus des communes ont travaillé sur les périmètres, parce que je rappelle qu'on peut inscrire dans une ZAP une partie du territoire agricole, mais pas forcément tout le territoire agricole, c'est les choix des élus. Et donc, en ce qui concerne les communes de Bou et de Combleu, il est proposé de classer un territoire de 565 hectares pour ces deux communes, ce qui suppose d'obtenir l'autorisation et donc de lancer les enquêtes publiques. Donc l'objet de la délibération pour Bou et Combleu, c'est de solliciter Madame la Préfète, pour lancer les enquêtes publiques pour... ces périmètres de zones agricoles protégées. Très bien, sollicitons Madame la Préfète. Voilà. Monsieur le vice-président. Comme quoi. délibération suivante. Et la suivante, puisque... Alors, vous avez dans le dossier tout le diagnostic de territoire.
tout le diagnostic de territoire et le périmètre, voilà. Et la délibération suivante, c'est exactement la même chose pour les communes de Saint-Jean-de-Bray et de Semois, donc qui ont une ZAP commune, et là, ça porte sur 347 hectares. Merci beaucoup. Donc, je vous sollicite sur le point numéro 39. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je suppose même vote pour le point numéro 40. Donc, même vote. Je vous en remercie. Le point numéro 41, Monsieur Beau, de Forum Open Agri-Food 2022. Alors, il est proposé de renouveler la subvention à l'Open Agri-Food pour une subvention d'un montant de 25 000 euros. Je voudrais simplement préciser que ce soutien, c'est sûrement pas un soutien à l'agriculture intensive et à l'agriculture de l'agroalimentaire, des grosses entreprises agroalimentaires. Mais l'Open Agri-Food, c'est une association qui fonctionne en think tank et donc qui propose des débats, qui propose des forums. Donc chaque année, il y a un grand forum et là, très récemment, la semaine dernière, ils ont organisé avec les GIA les journées de l'agriculture, de 3 journées de l'agriculture. Je ne sais pas si certains ont pu passer au Campo Santo, mais il y avait de nombreux exposants très, très variés, y compris sur l'agriculture biologique, des producteurs, bien, il y avait Bienvenue à la ferme, il y avait la Chambre d'agriculture, bien sûr. Et je crois qu'il y a au total environ 600 élèves qui sont passés avec leur classe. Il y avait un méthaniseur d'ailleurs, un mini méthaniseur en démonstration, enfin beaucoup de choses intéressantes pour répondre à cette question, comment on va du champ à l'assiette, puisque c'est le thème de l'Open Agri-Food. Merci de ces précisions, Monsieur Baud. Donc s'il n'y a pas d'intervention, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Pouvons en venir au point numéro 42 concernant la recherche et les transferts de technologie, Monsieur Montillo. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'une délibération à caractère très technique puisque nous avons passé effectivement dans le cadre de nos mesures de soutien à la recherche avec l'Institut national de recherche agronomique pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, donc une convention. Et il nous est demandé deux choses. D'une part, de rectifier par avenant une erreur technique de l'INRAE qui nous a donné un mauvais RIB, donc ça évidemment pour pouvoir verser l'argent c'est toujours un peu délicat, il faudrait éviter que ça parte ailleurs, et d'autre part une prolongation d'un an de notre convention dans la mesure où les travaux ont été retardés à cause du Covid. Je vous remercie. Merci, il n'y a pas de remarques, consulte, y a-t-il des oppositions, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Nous en venons au point numéro 43 concernant l'aire d'accueil des grands passages des gens du voyage, Monsieur Beaumont. Oui, Monsieur le Président. Depuis le temps que l'on parle, voilà, ça y est, on y arrive. Les aires de grand passage sur le département qui, depuis des années, devaient se construire, ça y est, on y arrive tout doucement. Main-sur-Loire est ouverte. Celle de Saint-Cyr va ouvrir aux alentours de mi-juillet et celle de Gien est en construction. On devrait enfin pouvoir régler les problèmes des grands passages. Donc ces aires, pour rappel, c'est pour accueillir jusqu'à 200 caravanes. Et donc le gestionnaire a été désigné, c'est la société Vago qui va s'en occuper. Et donc là c'est pour simplement que le conseil approuve le règlement intérieur, approuve la convention que l'on va passer à chaque groupe de voyageurs qui arriveront sur l'air et approuve les tarifs joints. Alors pour la petite information sur le règlement intérieur, il faudra rajouter Orléans dans les 22 communes. Il manque Orléans, il n'y a que 21 de marqués dans le document là. Et au niveau des tarifs, ce n'est pas la bonne grille. Il faudra enlever la colonne. Donc je vous invite à regarder la colonne. Attendez que je la retrouve. Au niveau des tarifs, il n'y a pas les tarifs. Là, je vais la retrouver. Voilà. Au niveau des tarifs, il faut retirer la colonne à droite, là, celle qui indique. Donc il y a un prix de 20 euros pour les caravanes à double essieu, et sur le côté, il y a marqué 10 euros pour les caravanes à simple essieu, et sauf que la loi interdit de taxer les caravanes simple essieu. Donc il faut retirer cette colonne, et au niveau de la caution, c'est 1000 euros, que ce soit plus ou moins 50 caravanes, c'est toujours 1000 euros, et les 1500 euros, il faut les retirer. Donc la petite colonne de droite dans le tableau, il faudra le supprimer. Sinon, pour le reste, les tarifs sont les bons.
Il y a toutes les cautions pour en cas de dégradation et tout ça. Voilà. Merci beaucoup et merci pour tout le travail qui a été fait, parce que derrière tout ça, il y a un très très gros boulot qui est fait, qui n'est pas toujours simple à conduire, à la fois de préparation des investissements, etc., et puis de gestion, y compris au quotidien. Et j'associe les services de la métropole qui n'ont pas à chômer parfois et sont amenés et sont sollicités dans des situations pas toujours simples. Oui, voilà. Les agents sont quelquefois malmenés sur les aires d'accueil, et c'est vraiment des gens très compétents. Tout à fait. Et c'est très difficile leur travail de tous les jours. Et la semaine prochaine, on a une réunion avec la préfecture pour organiser tous les voyageurs. Sur Marigny, il y a 120 voyageurs aujourd'hui qui sont arrivés. On a la chance d'avoir des agents qui font vraiment bien le travail. Et encore une fois, c'est loin d'être toujours évident. Luc Miga. Ah, j'ai une petite question pour mon voisin, mais je pense qu'il connaît la réponse. Je vais juste vous la faire partager. Est-ce que ces aires de grand passage, pourront accueillir les petits groupes de 20 à 30 caravanes ? La question est bonne. Donc, pour les petits groupes de 20 à 30 caravanes, il est prévu dans le nouveau schéma départemental sur la métropole. Nous allons installer deux aires de moyen passage, dont une est repérée dans le PLUM sur Marigny, où il y a toujours des voyageurs qui viennent à l'entrée de Charbonnières là-bas. Et puis une autre, le maire n'étant pas là, je tairai la commune qui s'est proposée, mais ça se trouve pas loin de l'autre côté là-bas, on va dire vers Ormes par exemple. Voilà. Donc on est en train de rechercher un terrain dans ce coin-là pour faire deux aires de moyen passage qui seront gérées de la même façon que l'aire de grand passage. Et on n'a rien dit. Hein. Et si nous y arrivons, on devrait régler, 80 à 90% des problèmes des voyageurs. D'autant plus que la loi, une fois que nous serons dans les clous, nous pourrons appliquer la loi, c'est-à-dire que c'est une amende de 500 euros à l'essieu lorsqu'ils s'installeront n'importe où. Et je peux vous assurer que les régions où ça a été essayé, c'est très efficace. Merci de cette précision. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 44 est également retiré de l'ordre du jour, et notamment parce que nous n'avons pas eu le temps. On avait un ordre du jour très très chargé à la conférence des maires, et on n'a pas eu le temps d'évoquer ce point, donc on le reverra à la conférence des maires avant de revenir devant le conseil municipal. Conseil de métropole, oui. Oui. Peut-être revenir aussi devant le conseil municipal, d'ailleurs, parce que sur la prévention SP, plusieurs conseils sont très concernés. Le point numéro 45, le fonds d'aide aux jeunes, justement, Monsieur Chapuis. Oui, merci. Alors, si vous permettez, je vais présenter la 45 et la 46 en même temps, parce qu'elles concernent toutes les deux des avenants aux conventions sur le fonds d'aide aux jeunes. Le fonds d'aide aux jeunes, c'est à deux facettes, une d'accompagnement, d'aide financière individuelle et une facette d'accompagnement collectif. Et cet accompagnement collectif, il est accompli par des associations. En l'occurrence, c'est des conventions triennales. Et là, c'était un avenant d'un an avec la mission locale de l'Orléanais pour un double projet, un projet d'accompagnement social qui concerne 125 jeunes et un projet qui non seulement est très important, mais en prend de plus en plus, c'est un projet de soutien psychologique aux jeunes, 30 euros. Et pour ce qui concerne le deuxième avenant, donc la délibération 46, c'est avec la résidence jeunes travailleurs Acacia Colombier. Pour le coup, c'est une mission d'accueil et de suivi éducatif global des jeunes en grande précarité. Donc là, c'est 20 jeunes répartis sur les deux foyers, avec à la fois des temps d'échange individuel et d'accompagnement collectif. Et pour le coup, c'est une subvention de 15 000 euros. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'intervention, donc je vous consulte. Sur la première délibération, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Et sur la seconde, dans le prolongement, je suppose pas même vote. Puisque, pardon? Pas l'unanimité, parce que moi je ne prends pas part au vote, Mathieu Gabon oui. Non plus. Oui, oui. Donc voilà. Mais par contre, sur la deuxième, je prends part au vote. Sur la première, donc la non-participation. Mais j'avais donné les noms en début de séance. Je vais rappeler les noms des non-participations au vote. Oui. Monsieur le Président, la première délibération, je crois qu'elle est votée, celle conseillant la mission locale. Et à ce titre, je voudrais remercier en tant que président de la mission locale l'ensemble des membres du Conseil métropolitain qui ont accordé cette,
cette subvention bien utile à la mission locale, puisque, comme vous le savez, nous touchons des publics qui sont les plus éloignés de l'emploi, sans diplôme souvent, sans formation. Et au-delà du problème de l'emploi, il y a bien évidemment d'autres problématiques pour ces jeunes-là, et le soutien psychologique comme l'accompagnement social est nécessaire, et obtenir le soutien du Conseil métropolitain est quelque chose d'important pour nous. Donc merci à vous. Effectivement, monsieur Villaret, la délibération était votée. Donc votre intervention est intervenue après le vote. Exactement. Voilà, je précise, après le vote de la délibération. La deuxième délibération, donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, donc c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Nous pouvons terminer par le point numéro 47 qui concerne l'espace public sur la commune de Chécy. Monsieur Fromentin. Oui, il vous est demandé d'approuver la convention à passer avec le département du Loiret ayant pour objet de définir le rôle de chaque maître d'ouvrage et de prévoir la répartition des coûts des travaux d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité, d'éclairage et de télécommunications, rue des Courtis et rue du Maréchal Leclerc à Chécy. D'approuver la convention à passer avec la commune de Chécy ayant pour objet le versement d'un fonds de concours par la commune au bénéfice d'Orléans Métropole pour un montant de 75 000 euros net. Dans le cadre de la requalification des rues Maréchal-Leclerc et des rues des Courtis à Chécy. Merci beaucoup. Pas de remarques, donc je vous consulte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et mes chers collègues, la séance est levée.